pas se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, heureux de vous retrouver sur Europe 1 aujourd'hui avec quelle équipe ? Caroline Diamant, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Gérard Miller. Et deux retours dans l'équipe aujourd'hui, deux retours pour le prix d'un. Ouais. Non, on vous l'a pas dit encore, c'est pour le prix d'un. Philippe Gueluc et Jean-Marie Bigard. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là, Philippe ? Mais écoutez, je passais par là. Parce que Jean-Marie, je sais qu'il devait revenir, il était parti en tournée, il est devenu papa aussi. Oui, oui, ça y est, les bébés sont à la maison, maintenant ça y est, je peux revenir. Mais vous, je pensais que vous étiez comme le pape, quasi à la retraite, Philippe. Non, alors c'est une retraite anticipée. Voilà, j'étais quelques jours à Paris, et comme vous m'avez toujours dit qu'il y avait... La porte était ouverte. Pour les amis, voilà. Il y a toujours un feu dans la cheminée. Voilà, et puis Anthony, votre assistant, m'avait dit qu'il avait une défécation. Je veux dire, une défection dans l'équipe. Et donc il m'a dit, si t'es là, tu fais le remplacement. Ah ben voilà, alors tout va bien. Et deux femmes en plus pour le prix d'une aussi aujourd'hui. Isabelle Alonso et Caroline Diamant. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, Isabelle avait l'air surprise. Je signale d'ailleurs que pour la journée de la femme, vendredi de la semaine prochaine, absolument. Il n'y aura que des femmes autour de l'équipe, comme normal. On le fait chaque année. C'est la meilleure émission de l'année d'ailleurs, en général. Oui. Ce jour-là, je dis elle ça. Elle était très bien l'année dernière, ah oui, en tout cas. Ouais, on s'est beaucoup marré. Ah oui, il n'y avait souviens. Pas d'agressivité. Il n'y avait pas de concours de beats, c'était super. Si, mais j'ai gagné. Ouais, ah oui. Laurent. Justement, Jean-Marie. Est-ce qu'on vous a envoyé des bonnes histoires pour votre retour? Ah oui, oui, oh là là, j'en ai un paquet. On peut peut-être démarrer par ça, alors histoire. Ah oui, formidable, ça, là c'est Jeff, c'est Kef John, hein, j'en sais rien. Et c'est un gars, il vient pour un boulot de fonctionnaire, le directeur, il le reçoit, il dit « Allez-y, parlez-moi de vous ». Et l'autre, il dit « Écoutez, je dois vous informer, je suis handicapé ». Ah, l'autre, il dit « Grave ». Bah, il dit « Voilà, j'étais des mineurs, et puis à un moment, j'avais la mine entre les jambes, elle a pété, je n'ai plus de couilles ». Et le directeur dit « Écoutez, moi, ça me pose pas de problème, vous avez un bon CV, vous commencez lundi, hein, les horaires, c'est 8h, 16h. Mais vous, ne venez qu'à 10h ». Et l'autre, il dit « Bah non ». Il n'y a pas de raison, je ne veux aucun traitement de faveur. J'ai un 8h comme tout le monde. Dit non, vous en faites pas. De toute façon, nous, de 8h à 10h, on fait que se gratter les couilles devant la machine à café. Ah ben voilà, une bonne blague. Gérard. Excellent. Vous êtes devenu anti-fonctionnaire. Je me souviens de Gérard Miller sur France Inter il y a 15 ou 20 ans. Il aurait dit oui, cette histoire, c'est encore un cliché contre les fonctionnaires. Vous ne luttez plus du tout. Dès qu'il y a le mot couille dans la bouche de Jean-Marie, je ne sais pas, ça me réjouit. C'est agréable. Il m'a d'ailleurs envoyé une autre. C'est un homo assez balèze qui arrive vers Saint-Pierre. Il arrive vers Saint-Pierre, il regarde son dossier. Il est un petit peu dubitatif, hein, regarde le truc, il feuillette. C'est le cas de le dire. Et il dit, bah écoutez, là je vois que vous êtes bon pour le paradis. Ah, toi, bon, on dit allez-y, suivez-moi. Et puis commence à monter. Et puis Saint-Pierre, il laisse tomber ses clés par terre. Et là, putain, le grand derrière, il le chope par les hanches, oh, il lui retourne la toche et pam 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 pam. Oh non. Putain. Saint-Pierre, il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit faut pas faire ça. Il dit, excusez-moi, Saint-Pierre, mais je suis un impulsif. Voilà, je l'ai senti comme ça. Il dit oui, impulsif, mais oh, faut pas faire ça. Hein? Recommencez pas un truc comme ça, sinon c'est l'enfer. Il repart. 5 secondes après, évidemment, il laisse tomber les clés par terre. Le grand lui retousse la toche. Bah, 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 bah. Et là, Saint-Pierre, il dit, dites donc, qu'est-ce que j'avais dit? Il dit, hop, c'est l'enfer. En enfer, et 2 mois plus tard, il descend Saint-Pierre voir... Il descend voir J'avais Lucifer. Oublié. Il descend, je suis suspendu à ses lèvres. Il descend voir Lucifer. Tu vois, il descend, et d'un coup, plus il descend, plus il fait froid, dis donc. Et il arrive en bas, ça caille, c'est gelé partout, pas une odeur de soufre, pas un feu, rien du tout. Il va dans les appartements de Lucifer, il rentre Lucifer, il est sous sa couette, il est
Et à quoi il crelotte des dents, il regarde la télé, le hondard, il est là comme ça, il claque. Mais il lui dit, mais Lucie, ils sont très copains. Il dit, Lucie, dit, qu'est-ce que tu branles, c'est quoi ton enfer? Bah, l'autre, il dit, ouais, mais depuis que tu m'as envoyé ton gars, va te baisser pour ramasser du bois de chauffage. C'est bien. Non, c'est bien. Au téléphone, j'ai Mounir qui dit ne virez pas Gérard Miller. Bonjour Mounir. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pourquoi que vous voulez pas qu'on garde? Pourquoi que vous voulez pas qu'on... que l'on parle français un petit peu, hein, Mounir. Pourquoi que vous voulez pas qu'on garde Gérard Miller? Mais non, il veut pas qu'on le vire. Parce que, bon, en ce moment, déjà, ben, rien, comme je vous ai mis sur mon mail, ben, déjà, rien que les courbes du chômage, c'est quand même pas florissant. Et puis bon, il est pas loin des 50, 55 ans. Avec Merci. Tous les seniors que vous avez dans l'équipe, vous allez bientôt avoir des autres l'état, non? Ah, ben, mais alors, dites donc, vous êtes généreux avec lui. 50, 55 ans, vous donne, Gérard. Ouais. J'ai 49. Il a tout à fait raison. J'arrive à la petite cinquantaine. On peut pas rester longtemps avec vous parce que la liaison téléphonique n'est pas très bonne, Mounir, pour tout vous dire. Dites, il y a un truc qui a changé. Je m'excuse, mais il y a Gérard qui nous révèle qu'il va avoir 50 ans bientôt. Mais je crains qu'il ne soit atteint d'une surdité précoce. Je lui demande, peux-tu me passer du sucre et regarder ce qu'il me donne. De l'eau. Une grande bouteille d'eau. 50 ans de carrière, Gérard. 50 ans de carrière, ouais. Exactement. Tiens, justement, j'ai un autre Gérard au téléphone. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Alors vous étiez content qu'on rende hommage à Frédéric Lebon. Ça veut dire que vous nous écoutiez déjà à l'époque de France Inter, justement. Ah ben voilà, pratiquement dès le début. Bah comme je vous avais mis, j'étais délégué médical. J'ai essayé de suivre ça tout le temps sur la route. Notamment quand... ce qui me posait problème, c'est qu'il y a beaucoup de tunnels en Savoie-Haute-Savoie. Et quand Gérard Miller commençait une histoire... Je ralentissais avant le tunnel pour essayer d'avoir l'histoire parce que je savais que ça coupait. Et quand je sortais du tunnel, tout le monde se marrait, j'avais pas l'histoire. Donc, voilà. Vos chouchous sont qui alors, Gérard? Ah ben j'adore Jean-Marie Bigard, c'est vrai que je suis. Merci Gérard. Ah ben de rien. Et puis ben, j'aime bien Gérard Miller, oui, figurez-vous. Ah, oui. Final, hein, vous voyez. Hein c'est le mec voilà. Idéal pour passer dans un tunnel. Ouais. J'aime bien le figurez-vous, oui. Ah Magali maintenant. Bonjour Magali. Oui, bonjour. Au sujet du poisson, vous nous dites le saumon que vous avez... Non, ça me fait peur quand même. Le saumon que vous avez tous mangé à Noël, c'était sûrement de la truite, parce que j'ai bossé dans une usine où on vendait l'un pour l'autre. On va pas citer l'usine, hein, Magali. Oh, pourquoi pas? Ah bon, d'accord. À mon avis, vous n'y travaillez plus, alors. Non, j'ai démissionné. Hein. Ah bah d'accord, ok. Alors, Magali Spanghero, on vous écoute. Non, c'est Magali Bretagne Saumon. Non mais racontez, alors. Alors c'est simple, dans ce coin de la Bretagne, franchement perdu, où il n'y a pas beaucoup de boulot, on venait d'arriver, et du coup, en intérim, j'ai été envoyée dans une usine qui prépare donc du saumon fumé. Et en fait, donc on m'avait mis en bout de ligne, donc c'est-à-dire que moi j'empaquetais les petites plaquettes avec les petits morceaux de saumon qui étaient dessus. Et à un moment, la chef de ligne nous dit « Bon, bah allez les filles, on nettoie tout, on change de poisson. » Et là, grosse panique, je regarde mes pochettes, sur une c'était marqué « saumon fumé », sur l'autre « truite fumée », mais c'était le même poisson. Et je l'arrête, je dis « Attendez, il y a un gros problème, on s'est trompé !» Puis là, elle me regarde toute gênée « Non, il n'y a pas de problème, c'est bien comme ça. » Mais c'est pas la même couleur. Justement, et là, c'est de la truite, c'est pas possible, on peut pas faire les... Caroline les... Diamant demande si c'est pourtant pas la même couleur. Je ne demande pas, j'affirme. C'est alors oui, effectivement, mais voilà, pour les connaisseurs, mais c'est pas toujours facile, par exemple, de faire la différence entre de la truite fumée et du saumon d'Écosse. Moi, je les reconnais, c'est quand je les pêche. Je vois bien la différence. Après, quand je les fume, c'est... Non, mais quand on dit, nous, de la même couleur, c'est-à-dire que ça se rapproche, la couleur, quand même, parce que ça peut pas être blanc et rose, quoi, par exemple. Non, mais par exemple, c'est des tonalités de rose qui sont plus ou moins foncées. Par exemple, la truite fumée est souvent beaucoup plus foncée que le saumon fumé. C'est la même famille, le saumon et la truite, donc du coup c'est assez facile de leurrer les gens. Ah bah alors si c'est la même famille, c'est normal qu'ils se rencontrent pour Noël. Ouais, mais alors en fait, c'est sympa de faire l'inverse, de vendre. Ils se retrouvent, ils font un paquet ensemble, bon voilà. Non mais c'est sensiblement le même prix, j'imagine, non? Ah bah non. La truite elle est moins chère. Ce serait plus sympa, bah oui. Donc c'est ça qui est un peu aberrant, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, en pleine période de Noël, où tous les gens, même qui ont des petits revenus, essayent d'avoir au moins deux ou trois tranches de saumon. À partager pour les toasts de l'apéritif, je trouve ça vraiment aberrant et honteux de leurrer les gens là-dessus. En même temps, s'ils n'ont jamais mangé de saumon, oui, et qu'ils en mangent pour la première fois, c'est une initiation. Ils sont contents de toute façon, vous voyez. C'est pas grave. Dans ce cas, il faudrait nous vendre au prix de la truite. Ça, c'est vrai. Mais c'est des produits relativement bon marché. Ça ne concerne que les pauvres. Donc, c'est pas vraiment un problème non plus. Et les pauvres ont mauvais goût, c'est très connu. Les pauvres n'ont aucun
goût. Moi, j'ai, aucun, moi, j'ai aucun goût. Je l'ai déjà dit. Tu verras jamais une toile de maître chez un pauvre. Non. Alors que, franchement, un petit Van Gogh ou un petit Picasso de la période bleue, c'est quand même plus sympa qu'un canevas qui représente deux cerfs oranges qui boivent dans une mare sur un coucher de soleil violet. Hein, tu vois, il n'y a qu'à regarder la femme du pauvre. Hein. Si elle n'a pas une robe de chambre à fleurs avec des mules et des bigoudis plein la tête, il n'y touchera pas. Tu verras jamais un pauvre avec un top modèle. Jamais. Ça ne l'intéresse pas. Je jure. Même le pauvre, il va passer 10 fois devant une plage privée magnifique avec du sable fin. Il ne s'arrêtera jamais pour louer un matelas à 50 euros. Alors que pour lui et sa famille, avec les consommations, c'est quoi? C'est un coût de 700 euros. Mais pour être bien. Alors on va me dire, c'est son budget de la semaine. Bah, qu'il reste qu'un seul jour. Mais qu'il soit bien. Bah non, il préfère être 8 jours mal qu'un jour bien. Philippe Gueluc, votre chat, c'est vraiment du chat, vous? Non, alors j'ai fait faire des tests ADN. Je vous garantis, dans mes livres, il n'y a pas une once de cheval. Ah bon? Rien. Par contre, j'ai des confrères qui se sont fait gauler. Ah oui. Par exemple, Lucky Luke. Oui. On a trouvé du cheval dans Lucky Luke. Dans les tuniques bleues aussi. Même dans les Martines. Jean-Pierre me dit, j'ai appris de sources sûres au Vatican que le pape qui serait élu serait français et sûrement Monseigneur Ricard, actuel archevêque de Bordeaux. D'ailleurs, Ricard à Bordeaux. Il prendrait le nom de Pernod 45 ou Pastis 51. C'est plutôt rigolo. Je m'appelle Jimmy, j'ai 21 ans et je serai dans le public ce jeudi 28 février. Pour la première fois. Grand ça vous fan fait de du votre bien travail. Maintenant que vous en avez 50, ça vous fait du bien de lire des mails qui disent « Je m'appelle Jimmy, j'ai 21 ans. » Ah oui. Non, vous vous appelez Laurent et vous en avez 50. Salaud. Ah oui, je vous remercie d'ailleurs pour les petits mots gentils que vous m'avez envoyés. Et l'argent, il est bien arrivé. Ah bah, oui. j'ai pu acheter tout ce que je voulais avec. J'en manquais. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Un peu d'argent. Très heureux, Jimmy, du retour de Jean-Marie Bigard, que j'ai vraiment appris à apprécier grâce à votre émission. Alors, je ne sais pas où est Jimmy. Ah, c'est le jeune homme au premier rang. Merci, Jimmy. Qui vous aime beaucoup. Et je signale d'ailleurs que Jean-Marie sera au Palais des Congrès du Futuroscope à Poitiers le 9 avril prochain pour un spectacle au profit de la Ligue contre le cancer. Oui. Et je suis au courant de tout. C'est Valérie. Mais c'est bien, ça. C'est Valérie qui me le signale. Bien, très bien. Petite histoire. Merci, Valérie. Jean-Marie, allez. Ah ben, j'en ai une, tiens, pour toi, Valérie. C'est une fille, en fait, qui sent l'oignon. Et elle est très embêtée parce qu'elle est super mignonne et elle se confie à une copine qui lui dit, bah, écoute, j'ai un copain, il a eu un accident de bagnole, était dans le coma et tout, il s'est réveillé, ça arrive, des fois il a plus d'odorat et il est vachement beau, c'est un beau mec, il a une bonne situation et tout. Voilà, lui présente et ça marche tout de suite, ils vont dîner, bon, le premier sac, tac, il rentre à la maison, l'autre il descend à la cave, bon gentleman qu'il est, hein, tout aller aux anges, oh là là, il y a tellement longtemps, tu vois, que ça y est pas arrivé, et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, il relève la tête, et il dit, mais dis donc, ta chatte, elle sent l'oignon? Et il dit, bah, je croyais que t'avais perdu l'odorat. Il dit, oui, je l'ai perdu, mais j'ai les yeux qui pleurent. Isabelle Alonso est effondrée, je dois dire. Ah mais c'est les bonnes histoires à pépère, hein, ça vous. Ouais. J'ai eu chaud, j'ai cru un moment que le mec allait se mettre à péter. Non, mais ça, c'est dans l'histoire d'après. J'ai de la dignité quand même. Dido est de retour, et ça, ça fait plaisir parce qu'il y a très longtemps qu'on n'avait pas entendu Dido, que certains Britanniques appellent Dido, si vous préférez. Ce sera son 4e album, Dido ou Dido, si vous préférez être français. Girl Who Got Away. C'est le titre de l'album. Et en anglais, ça donne quoi? Non, Gérard, vous me la faites à chaque fois. Oui, pardon. Oui, mais vous aussi, vous nous la faites à chaque comment fois. Je peux pas faire autrement. Écoutez, là, je l'ai très bien dit. Oui. Girl Who Got Away, je vois pas comment je peux le faire autrement. Moi non. Girl Who Got Away, qu'est-ce que vous voulez? Girl Who Got Away. Et l'album, c'est. Oh, ça s'appelle comme ça. Alors dites-nous l'album. Alors, non, c'est l'album Girl Who Got Away. Ah oui. Alors le single, et le c'est quoi? No Freedom. Ah. Europe 1. Gêné. Qui a le mieux bossé? Jean-Marie Bigard, vous n'êtes pas venu depuis longtemps. Oh là là, oui. Donc vous êtes seulement. Vous m'avez manqué. À 2 victoires, mais soyez rassurés, puisque derrière vous, quand même, il y a Gérard Miller. 0 victoire, toujours. Vous voyez, et pourtant, il vient une fois par semaine. Oh, dis donc. Il n'empêche que Philippe Gueluc, qui vient très rarement, a 1 victoire, ah, déjà. Non. Ouais. Et oui, vous avez gagné. C'était pas avec le prénom de Larry Hagman. Ouais, vous avez gagné une fois, Philippe. Oui, dans Dallas. Mais Isabelle Alonso, 3 victoires. Caroline Diamant et Joe.
être là, vraiment, vous êtes au coude à coude, Caroline et Jérôme. Caroline Diamant et Jérôme Bonaldi sont au coude à coude. 11 pour Caroline, 12 pour Jérôme. Et c'est par Jérôme qu'on commence, puisque hier, à votre place, Jérémy Ferrari a gagné, c'est vous dire si les autres étaient nuls. Qui sera le président du jury du 66e festival de Cannes, Jérôme Bonaldi? Spielberg, Steven Spielberg, vous restez dans la course. Bon, ça... Il a été question que ce soit Benoît XVI, puisqu'il était libre maintenant. Qui est en Russie depuis hier soir, Caroline Diamant? François Hollande. François Hollande. C'était facile. Réponds à ta question, Vera. Deux victoires. Comment s'appellent les Ibrahimovic. Il a marqué deux buts. Non. Oui. Mauvaise réponse. Il a marqué 2-0 contre Marseille. Voilà, très bien. Parc des Princes. Et ben, ça, c'est vachement bien, Gérard. C'est dommage de donner des infos avant que je pose les questions, parce que celle-là, je suis en train de la supprimer, alors que vous auriez pu tomber dessus, vous voyez. Oh, merde. Dont une sur pénalty. Jérôme Bonaldi et Caroline sont qualifiés. Jean-Marie, si je vous demande quels sont les deux noms des éléphantes du zoo de la Tête d'or de Lyon, qui finalement obtiennent un nouveau sursis. Oui, elles vont être, elles vont passer un examen, elles sont peut-être pas du tout contaminantes, je sais pas si on dit comme ça, mais je sais comment elles s'appellent. Elles s'appellent Babi et Népal. Je le savais, je l'avais noté. Vous êtes éliminé, Jean-Marie. Babi et Népal, je l'avais ça. Éliminé. Alors, Gérard Miller, puisqu'hier vous m'avez d'ores et déjà dit qu'Ibrahimovic avait marqué les deux buts contre l'OM, je suis obligé de vous poser une autre question, Gérard. Quel geste inélégant Joey Barton, Marseillais d'origine britannique, a-t-il fait pour se moquer de Zlatan Ibrahimovic? C'est bien. Il est vraiment dur avec moi, parce que j'avais toutes c'est les réponses. C'est bien fait, vous n'aviez qu'à pas donner, parce que la question prévue, c'était les deux buts, vous voyez. Et ça tombait sur vous. Et donc, le geste, ça aurait été pour moi? Et je le savais? Non, j'ai changé de question, puisque d'accord, celle-ci a été posée. Ah, oui. J'ai pas de chance aujourd'hui. Alors, c'est vrai, en plus. Peu importe. Il a fait ça. Il a fait un geste montrant son nez. Non. C'est Philippe Gueluc qui vient de lui souffler. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Ah, t'as l'air de dire t'as un grand pif. Il s'est moqué du gros pif de Ibrahimovic, Joey Barton. Il l'a pas vu, là, parce qu'il chanterait un peu moins fort. Il doit être sévèrement monté. Gérard est éliminé. Oui, est éliminé. Son domicile et son bureau, Philippe Gueluc, ont été perquisitionnés hier matin dans le cadre de l'affaire Tapie-Lagarde. Bien sûr. Qui s'agit-il? Et je l'ai lu ce matin. Et il s'agit de... Non, attendez. Je te souffle pas parce que ça sera pas bon. Non, ça sera pas bon. Attendez, je l'ai vu. Il s'agit... Faut le restituer maintenant. Allez, vas-y, Philippe, il a des lunettes. Je le savais. Il a des lunettes. Oui, il a été ministre. C'était Claude Guéant. Stéphane Hessel, Isabelle Alonso est décédée hier à l'âge de 95 ans. Mais comment s'appelait le fameux livre vendu à 4,5 millions d'exemplaires? Indignez-vous. Indignez-vous. Bonne réponse, Isabelle. Et là, bizarrement, silence radio de la part de Bigard qui n'arrive pas à faire une blague sur la bite de Stéphane Hessel. C'est incroyable. Tu manques d'inspiration. Et ne me faites pas trop chier. Parce que sinon, je vous en raconte une sans aucun gros mot, d'accord? Attendez. Ouais, ben, tout à l'heure, alors. Qui est qualifié? Reste Isabelle Alonso, Jean-Marie. Ah oui, Jean-Marie. Non, il n'a pas donné le nom des éléphants. Ah, mais il n'en reste que trois, alors. Caroline, Isabelle et Jérôme. Jérôme Bonaldi. Un hélicoptère de la marine italienne transportera à 17h. Qui donc? Benoît XVI. Bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Caroline Diamant, ce tableau va quitter le musée d'Orsay pour le palais des Doges. C'est un nu qui avait fait scandale à l'époque, mais un nu peint par qui? Je peux même vous donner le nom du tableau, si vous voulez. La Belle Olympia. Et vous voulez savoir quoi? Le peintre. De la Croix? Manet. Manet, bonne réponse de Gérard, mais vous êtes éliminé, Caroline éliminée, Diamant. Oui, Isabelle bien. Alonso, cette actrice américaine de 44 ans, va se marier début mars avec Justin Theroux. De qui s'agit-il? Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, bonne réponse, Isabelle Alonso. David Bowie fait son retour avec un nouvel album, Jérôme Bonaldi. Tout le monde en parle depuis hier. Est-ce que vous vous rappelez du titre de cet album de David Bowie? Non, c'est un truc très simple. Eh oui. C'est dans le genre Again. Je ne sais plus. The Next Day. The next day. Gagnante est Isabelle Alonso. Bravo!
Ah bah ça tombe bien, regardez, je vous offre le dernier numéro du Madame Figaro mode. C'est chouette. Ça changera de Cosette. C'est chouette, vu que je suis abonné, je l'ai déjà, mais un spécial 320 pages. J'ai aussi « Les femmes sont tellement... » C'est un petit recueil de citations de proverbes, d'histoires drôles, publié par Mina et André Guillouard. Et quand on retourne, on a... Les hommes sont tellement... Oui. Voilà, y a les deux. Alors, les femmes sont tellement sexy. Pour être belle, il suffit à une femme d'avoir une robe noire et à son bras un homme qui l'aime, disait le couturier Yves Saint-Laurent. C'est drôle, ah, hein, c'est des vraies citations. Ah oui. Ouais. Selon un proverbe anglais, trois choses sont fugitives. L'écho, l'arc-en-ciel et la beauté des femmes. Selon un proverbe polonais, l'eau, le feu et la femme ne disent jamais assez. C'est nul, comme tout ce que font... C'est quoi, c'est encore les éditions Tut-Tut, oui, là. C'est toujours aux éditions Tut-Tut. Arrêtez de m'envoyer vos bouquins aux éditions Tut-Tut. Arrête d'en parler. San Antonio contre X. C'est Patrice Dard, le fils de Frédéric Dard, qui continue à écrire des San Antonio. Et là, c'est aux éditions Fayard, en livre de poche, les nouvelles aventures de San Antonio contre X. Je vous l'offre. Oui. Jean-Luc Moreau, vous connaissez Jean-Luc Moreau? Mais oui. Les coulisses de mon théâtre, publiées chez Michel Lafon, sont pas tout à fait ses mémoires, mais en tout cas ses anecdotes, les gens qu'il a croisés au théâtre. J'y étais, ça s'appelle, chez Michel Lafon, les coulisses de mon théâtre. Jean-Luc Moreau, c'est pour vous aussi. Merci. Isabelle. Les Esquimaux ne construisent pas d'igloo. C'est signé John Holdell, l'encyclopédie insolite et étrange des pays du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, Jérôme, ça l'intéresse. Oui, ah, oui. Oui, les idées préconçues, les idées fausses, c'est malin. Vous aimeriez bien l'avoir. Hein. Ouais. Ah, ah, oui. Mais il aurait fallu là, connaître le nom de l'album de David Bowie pour ça, Bonaldi. Le prochain jour. Ah, se faire obéir tout en douceur. Par son chien ou ça par pourrait vous intéresser. Bah ça, pour vous, besoin, ça. C'est un livre de conseils éducatifs publié chez First Edition. C'est Vanessa Saab qui fait pas seulement des voitures, elle fait aussi médiatrice familiale et psychologue de formation. Se faire obéir tout en douceur. Comment bien poser l'autorité? Le dialogue est-il suffisant? Faut-il punir? Pourquoi la récompense fait-elle peur? La fessée est-elle utile? Voilà la question que se pose ce livre. Bah, si c'est demandé gentiment. Oui, exactement, j'allais le dire. Tu me l'as retiré de la bouche. Non, je m'en voudrais, cher Jean-Marc. Ah ben, non, mais... Garde ta bouche pour toi. Et Charlotte Julien vous invite à la mairie du 11e arrondissement. Vous connaissez Charlotte Julien? Fleur de province. Je suis une fleur de province. Elle expose... Elle expose du 19 au 28 mars à la mairie du 11e. De Paris. Oui, mairie de Paris. Elle peint. Et c'est au profit, vous savez, de la roue tourne. C'est bien qu'on en parle parce que c'est l'association... C'est pour des gens comme nous bientôt, qui sont comédiens, mais retraités. Voilà, alors elle nous envoie d'ailleurs quelques photocopies de ses œuvres qu'elle expose donc à la mairie. Mais pourquoi? J'adore la peinture c'est naïve. Écoutez, je ne comprends pas, c'est très... C'est naïf et c'est très, très joli. Voilà, c'est naïf. Voilà. Mais c'est très beau la peinture naïve. Mais c'est très beau la peinture naïve. Ah, on aime ça la peinture naïve. Ça repose. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Sauf quand il y a des petits chiens, mais autrement... Le petit chien n'est pas réussi, mais le reste, oui. Ah, le petit chien n'est pas réussi, c'est une erreur. Mais ça peut marcher. Les autres, tu peux les vendre aux enchères, et ici, tu fais une enchère inversée. Combien vous mettez pour ne pas l'avoir? 1000, 1500, 2000, 2500. Et ça peut monter très vite. Une expo Charlotte Julien à la mairie du 11e au mois de mars, ça méritait d'être encouragé. Ah, mais oui. Pas sûr, mais vraiment. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Gérard Miller, Philippe Gueluc, Jean-Marie Bigard, Caroline Diamant, Isabelle Alonso et Jérôme Bonaldi. Ah, j'aurais dû même dire Jérôme Bonaldi et Isabelle Alonso, puisque c'est la grande gagnante du jour. Les mêmes encouragements pour Marion et Aurélien qui vont devoir vous affronter, chers camarades. Bonjour Marion. Oui, bonjour. Prends ton temps hein, pour répondre. Hein. Ah, non, mais c'est parce que c'est pas le bon prénom. Voilà, c'est parce que je m'appelle pas Marion. Et oui, pas c'est gentil de dire bonjour. C'est pour ça que t'as pas répondu tout de suite. Oui. Mais parce qu'elle s'appelle voilà, pas. J'ai eu un doute. J'ai inversé, comme ça m'arrive parfois. Oui. J'ai inversé. Dans la vie, souvent, oui, j'ai remarqué. Oui. J'ai inversé les challengers de 16h avec ceux de 17h. Ouais. Donc, il faudra être patient, très patient, pour faire connaissance avec Marion et Aurélien qui arriveront vers 17h. En attendant, c'est Johanna et Jérôme. C'est bien ça? C'est bien ça. Jérôme est à Toulouse. Johanna ou Johanna? Qu'est-ce que je dois dire d'ailleurs? Johanna. Vous êtes à Lille? Ouais, tout à fait. Quel temps il fait aujourd'hui? Gris, comme d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Vous faites quoi dans la vie, Johanna? Je suis commerçante en article de fête. Article de fête. Des feux d'artifice, oui, c'est-à-dire déguisement, cotillon. Oh, c'est sympathique, ça. Ah ouais, les langues de belle-mère et tout ça. Tout ça, oui. Bouteille d'hélium. Aussi. Ça marche encore? Il y a du monde, il y a la clientèle encore? Ça marche très très bien, ouais. Surtout dans le Nord, la clientèle fait beaucoup la fête. Eh oui. Comment s'appelle votre boutique? Festimania.
Festimania, et c'est à Lille même? Oui. Bah, parfait. Alors Lille, Lille, Arras, Saint-Quentin, Orchy, on a 4 magasins. Et le coussin Peter pour Jean-Marie, ça existe toujours? On le fait plus, non, non, on le fait plus, mais on peut le ressortir pour Jean-Marie. J'en ai jamais eu l'usage, parce que je l'ai fait moi-même. Et puis en plus, ils ne vendent pas de coussin Peter odorant, alors que les miens, moi je peux tuer un teckel à 5 mètres. Hein. L'animal ne souffre pas. Il a une rupture d'anévrisme, il ne sait même pas de quoi il est parti, le pauvre. Ah, je te jure. Johanna, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, vous? Eh bien, de des faillots. Quel bel enchaînement. Eh, c'est la blonde qui dit à l'autre, je suis enceinte, lui dit, tu sais qui est le père? Il dit, que tu manges des faillots, tu sais lequel t'as fait péter, toi? La, 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 quoi, la, la. Il n'y avait pratiquement pas de gros mots. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir fait mon service militaire, tu vois. Johanna, alors votre dîner d'hier, c'était comment? Salade. Salade, oh. Mais salade, salade, salade. Salade composée. Jérôme à Toulouse, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Moi, je suis ingénieur en traitement d'image dans un service de R&D d'un grand groupe pharmaceutique. Ah, et vous avez le petit accent du coin, quand même, hein? Oui, ah, mais ça fait... touche. Je ne suis pas tout à fait Toulouse. En fait, je suis de Rodez, mais suite à l'incident de la cathédrale, je leur ai rendu ma carte d'électeur et j'y suis. Je vous ai demandé ce que vous faisiez, Jérôme. Oui, il travaille chez Pharma. Oui. C'est très, très long. Ouais, c'est long, c'est pour chiant, ça que j'ai préféré oublier. Ouais. Il est ingénieur R&D en traitant de l'image chez Fabre. Et c'est quoi ça chez Fabre? C'est un laboratoire pharmaceutique. Jérôme, il est fort. Hein. Ah ouais, il sait tout, Jérôme. Il y a un grand groupe dans le sud et il a compris lequel c'était. Oh là là, le frimeur, genre, ah oui, il a pas dit le nom et tu l'as trouvé. Qu'est-ce que vous faites le 30 septembre prochain, Jérôme? C'est la Saint-Jérôme, on s'appelle? Il y a le salon du Jérôme, porte de Versailles. Ne loupez pas le salon du Jérôme. La tristesse de cette nuit. Alors, le petit dîner toulousain hier, c'était comment? Ah, moi, j'ai mangé un plat africain hier. Un plat africain? Lequel? Oui. C'est un plat, alors je ne connais pas le nom, c'est ma compagne qui me cuisine ça. C'est à base d'épinards, de bœuf. Ça mijote dans du gingembre, de la sauce tomate. Et elle avait envie de passer une jolie nuit, votre compagne. Ouais. Et alors? Très bien. Non mais très bien comment? Combien de fois? Jérôme, Johanna, voici la question qui va vous départager pour vous emmener à l'hôtel Dolce Frégate Provence de Bandol. Je ne vais pas vous refaire l'article concernant cet hôtel 4 étoiles qui est tout près de Toulon, vous le savez, avec des piscines, un jacuzzi, un sauna. Vous serez accueillis en formule petit déjeuner avec chambre double. Plus d'infos sur www.dolcefregate.fr. Quand je dis je ne vais pas vous refaire l'article, généralement je le fais quand même. Oui. Johanna, ou Johanna, pardon, et Jérôme. Et Jérôme. Êtes-vous prêt? Prêt. Oui. Qui était place Saint-Pierre hier soir pour la dernière audience de Benoît XVI? Le pape, où il y était. Ça, oui, ça c'est sûr. Quelqu'un dont le Figaro nous dit que cette personne n'aurait raté pour rien au monde la dernière audience de Benoît XVI mercredi. Bon, c'est pas Jean-Marie Bigard, sinon il aurait pas eu le temps de revenir. Non, c'est une femme. C'est une femme. Ouais. Femme politique. C'est une femme. Femme politique. Boutin, Christine Boutin. Non, réfléchissez, Brigitte, on est tout près. Encore. C'est Frigide Bardot. Frigide Bardot. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'était très facile. Ah ouais. À partir du moment où vous aviez une femme, quand même. Johanna. Des Jérôme. Vrais cathos, on en a pas des tonnes, quand même. Pourtant, j'ai révisé, mais là, je suis passé complètement à côté. Pareil, ouais. Eh ouais, Frigide Bardot a été sur la place mais Saint-Pierre. Elle va finir par se faire canoniser, celle-là, non? Ah oui, Sainte Frigide, ce serait génial. Bon, bah, c'est paumé, c'est perdu, en tout cas, Johanna et Jérôme. Je suis désolé. Coucou Laurent, je vous en prie. J'aimerais faire un petit coucou à Nini et Volpi qui vous écoutent tous les soirs dans leur lit en podcast. Ils sont fans depuis des années. Je sais qu'ils vont ce soir se coucher, mettre leurs petites oreillettes et voilà. Donc je voulais leur faire un petit coucou. Quel âge ils ont? Mon âge, 36 ans. Ah bon, ça va. C'est... Mais ils baissent plus depuis combien de temps? Je veux qu'ils mettent chacun leurs oreillettes. Je suis peut-être leur aphrodisiaque, allez savoir. Leur gingembre. Bah, Jérôme, vous avez perdu le challenge, mais vous avez passé une belle nuit. C'est déjà ça. Oui, tout à fait. On vous embrasse tous les deux. Je
Julien Bayou est membre des collectifs Génération Précaire et aussi Jeudi Noir. Il est même conseiller régional élu pour la liste écolo. Comment ça s'appelle Écologie Les Verts. ELV, mais je cherche le deuxième E. Écologie Europe. Europe Écologie Les Verts. Merci. Oh là là. Ah, dites donc, hein, ça, bravo. Caroline. C'est Caroline Diamant qui me souffle sur la politique maintenant. Ouais. Europe Écologie Les Verts, exactement. Alors, il est conseiller régional. Il est très jeune, hein, d'ailleurs, Julien Bayou. Et ce matin, dans Libération, il réclame quelque chose. Qu'est-ce qu'il réclame ? Quand vous dites très jeune, il a quoi ? Il a 8 ans ? Non, mais pour un élu, pour d'accord, un conseiller régional. Voilà, il réclame le retour de quelqu'un ? Trentaine d'années, peut-être même pas 30 ans, oui. Il réclame le retour de quelqu'un ? Le retour, non. Le non. départ ? Le départ, non plus. Le maintien. En le quelque maintien. Sorte, ce sera un départ. En quelque sorte. Est-ce que ça a un rapport avec un quelqu'un qui est au gouvernement actuellement des Verts et dont il voudrait que la personne quitte le gouvernement? Rien du tout. Il ne souhaite pas que Duflot s'en aille, par exemple. Non, aucun rapport avec les Verts. Est-ce que c'est typiquement parisien, Parigo? Non, ça a un intérêt national. Ah. C'est une idée qu'il a eue et dit ça, ce serait bien. Génération précaire, les stagiaires. Ça concerne le logement, donc. Il n'est pas le seul à penser ça, mais en tout cas, on peut dire qu'il est un des premiers à réclamer cette initiative. La réquisition des logements vides. Du tout. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il fait d'habitude. Ah, d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait d'habitude? C'est plutôt en tant qu'élu qu'il réclame sur la capitale, donc. Qu'est-ce qui doit se passer? Une baisse de son salaire. Une baisse de son salaire, non. Si vous aviez... Il est député. Non, il est... Conseiller régional. Je vais peut-être pas le dire 10 fois, vous voyez, Caroline. D'accord, conseiller régional. Ça n'a rien à voir avec les vacances, les congés, les vacances. Non. Et vous dites, si on avait bien écouté la question, on aurait une partie de la réponse. Oui, c'est génération précaire, il insistait dessus. Oui, en fait, le fait que ce soit quelqu'un, vous voyez, qui manifestement... Ah, ça touche les jeunes, j'ai notre une truc. Idée. Allez-y. Est-ce que ce serait genre carrément une interdiction de licenciement sur les jeunes de moins de tel âge? Du tout. Parce que c'est social. Mais le fait, oui. Ah non, sa mesure n'est pas sociale du tout. Mais le fait, effectivement, que ce soit quelqu'un qui s'occupe beaucoup de la société, des gens mal logés, quelqu'un qui manifestement bouge est-ce que c'est une. Ça devrait vous mettre sur une piste. Est-ce que c'est une initiative que nous aurions, qui est profondément humaine, que nous voudrions soutenir? Moi, je pense que, à part peut-être Pierre Bénichoux autour de cette table. D'accord. Il n'est pas là aujourd'hui, mais je sais que Pierre, il serait con. Ça coûterait cher à la collectivité. Ah, ok. Ça concerne les ours. Du tout. Pierre considérait que c'est une mesure bobo. Ce ne serait pas une mesure. Il ne réclame pas une mesure. Il réclame une initiative, une décision. Ça peut être fait très facilement. Ça coûterait cher ? Non, ça coûterait pas très cher. Il y aurait forcément, on va dire, un coût à ça, parce qu'il y a toujours une petite cérémonie, une petite fête. Cette initiative. C'est pas le mot, mais... C'est un hommage. Non, c'est donner le nom d'une rue à quelqu'un. C'est une forme d'hommage. C'est pas une forme d'hommage, c'est même un très gros hommage. Eh bien, c'est baptiser une place d'après le nom de quelqu'un. Non. C'est lié à Stéphane Hessel ? Oui. Alors, je l'ai lu ce matin. C'est le maître Panthéon. Le maître au Panthéon, il réclame que Stéphane Hessel entre au Panthéon. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Il y a une très jolie photo, je ne sais pas si vous l'avez vue, une très jolie photo de la mère de Hessel. De Stéphane Hessel En larmes. Qui est toujours vivante? Non, Hélène Hessel, non, qui n'est pas vivante, mais qui était une femme extrêmement moderne, puisque c'est elle qui a notamment inspiré... Jules et Jim. Il y a une très jolie photo de Man Ray, elle nue sur une plage dans les années 20, ce qui était ils ont quand bien même fait de l'appeler Stéphane, parce que s'il l'avait appelé Yaroslav, ça aurait quand même été emmerdant. Oui, Yaroslav Vessel. Et un bel je pensais pas qu'on pourrait aller jusque là, mais voilà, on y est. Vous êtes pour que Stéphane Hessel rentre? Parce que Bénichoux est contre, hein. Il l'aimait pas manifestement, il nous a Oui, il l'aimait pas notamment parce qu'il a eu toujours eu sur la question israélienne et palestinienne des positions très hostiles aux Israéliens. Moi, je suis plutôt pour. Oui, je trouve que c'est un type qui a marqué absolument l'histoire du XXe siècle. Mais je trouve que Pierre pourrait rentrer au Panthéon aussi. Ah oui. Mais même de son vivant. Le 27 octobre 2003. On vit le premier faire son apparition à la ville du Bois dans l'Essonne. Le premier quoi ? Le premier radar sur les routes. Bon, c'est pas le premier radar. Nouvelle génération. 2003 alors. 2003, le nouveau radar flash automatique. Invisible. Le premier radar automatique. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ouais. C'est vrai qu'on les voit de moins en moins, les radars, maintenant. Sauf quand il y a un panneau qui nous prévient. Parce qu'on va trop vite. Ah oui. Non, et puis il y a un nouveau... visiblement, aujourd'hui, on met en...
en service un nouveau type de radar mobile invisible. Il existait déjà depuis 20 ans. Hein, c'est pourquoi on en parle tellement hein, ouais, celui-là est infrarouge, point. Non, le plus utile, c'est les radars éducatifs, ceux qui vous disent exactement la vitesse à laquelle vous roulez. Ah oui, alors ça, effet... moi j'aime bien accélérer pour voir à quelle vitesse je peux aller. Qui a déjà été flashé? Qui a vu déjà sa photo au volant? Moi. Ah oui ouais. Non, moi on ne voyait pas ma tête. On voyait juste évidemment. Les ben, nous, les premiers radars, je me souviens, on faisait le tour carrément et on passait les fesses par la fenêtre pour que les flics ils aient notre cul à regarder. Ah, moi, c'est vraiment, c'était une époque où on pouvait encore faire plein de choses. Ah, moi, j'ai un copain qui un jour, c'était en Belgique, entre Bruxelles et Knok, roulait beaucoup trop vite, s'est fait flasher. Il est sorti de l'autoroute à la sortie suivante. C'est un auto... Il n'y a pas de péage, tu sors de l'autoroute. Mais... Il a repris dans l'autre sens. Mmh. Il est remonté sur l'autoroute. Il est repassé devant le même radar encore plus vite. Et il a refait une troisième fois. Et quand il a reçu les trois PV, il est allé voir les flics en disant « Votre truc ne marche pas. C'est pas possible, j'allais à la mer. » Et je me suis fait flasher trois fois, comment vous expliquez ça? Et les mecs ont dit, c'est vrai, il doit y avoir un problème technique, et ils ont tout déchiré. Ils ont déchiré les trois. Ils sont très cons quand même, il a eu beaucoup de chance. C'était il y a longtemps. Il y a un moment. Et puis c'était en Belgique. Lou Doyon nous propose un nouvel extrait de son album Places. Questions and Answers, des questions et des réponses. Qui s'est fait remarquer hier soir à cause de son sombrero? Oh. Ou grâce un à son écrivain, sombrero. Un écrivain qui, non. Un sportif Ça doit être dans le public du match de foot? Non. Ah, le pape, on a revu des images du pape en visite au Mexique avec un magnifique sombrero. C'est pas vrai. Non, ça c'est un champignon de Paris géant. Non, il était, simplement, on lui a pas mis les colts et les cartoussières, mais il était beau. Avec la pancho villa. C'était où? Ça se passait France. Pas dans une boîte de nuit? On était tout près là, il y a pas longtemps. Mais... On était près quand on était au foot ou quand on était au parc? Par exemple. Alors au foot. Alors c'était donc pas au Parc des Princes? C'est pas un joueur? Si, c'était au Parc. C'est Abramovic. Pardon, c'est pas un joueur déjà. Si, non, c'est un joueur. Abramovic. Mais non, c'est David Beckham. Comment vous dites Gérard? Abramovic. Comment vous dites? Abramovic. Ibrahimovic. Il a fait un sombrero. C'est-à-dire? C'est Beckham qui a fait un sombrero, c'est un truc de foot. Il est plus capable de faire ça. Si, il a fait un. Vous le saviez depuis le départ, hein, Jérôme. Une fois de plus, Jérôme fait semblant de ne pas savoir. Et il connaissait la réponse. Allez-y, expliquez ce que c'est. C'est quand une galipette à l'envers. Une galipette à l'envers. Ça s'appelle une bicyclette. Une espèce de flip-flap. Ah, mais oui, mais donc avec le pape, c'était pas possible. C'est pas ça. C'est pas se mettre à l'envers. C'est réussir à faire passer le ballon par-dessus la tête de l'autre joueur. Voilà ce que c'est. Sombrero. Et Beckham a réussi ce petit exploit technique hier soir au Parc des Princes. Bonne réponse de Jérôme Bonnel. Bravo, Jérôme. Qui accompagne François Hollande en Russie? Et c'est assez surprenant parce qu'il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Depardieu? Non. Ségolène Royal? Il y est déjà, Depardieu. Un homme politique. Il paraît qu'il n'est pas du tout en Belgique. Vous avez vu le Canard enchaîné hier qui nous disait qu'on a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose parce qu'au fond, il n'est depuis, je crois, le 10-12 décembre, jamais retourné et jamais refoutu les pieds en Belgique. Il n'a pas acheté la maison. Enfin, il n'y a rien qui se passe, quoi, vous voyez. Est-ce que c'est un homme? Quoi? Qui accompagne François Hollande. Ah oui, j'avais oublié. On vous rappelle juste que vous avez posé une question, ouais, Laurent, et qu'on essaye d'y répondre. Oui. Est-ce que c'est un PDG? Parce qu'il y va avec une flopée de PDG. Non, un justement homme politique. Donc c'est pas un homme. Mais c'est un ancien ministre. C'est quand même. Un homme, mais c'est pas un PDG. Mais c'est pas un ancien ministre. Mais un homme qui n'est pas un PDG, c'est pas un vrai homme. Oh. C'est un ancien russe? Un ancien politique, oui. Un ex-ministre, oui. Oh. Un ex-ministre, et ce qui est étonnant, c'est que c'est un ex-ministre, mais de droite. Non. Oh non, c'est ça quand doit même être pas Michel Rocard. Chevènement. Jean-Pierre Chevènement, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Comment ça vous est venu? Bah oui, il est un peu anti-américain. Parce que j'ai vu passer un titre ce matin, le retour du Tché, alors je me suis dit... Exactement, le retour du Tché sur le front russe. Il faut dire qu'il a été nommé représentant spécial pour les relations avec la Russie. Il a 74 ans hein, quand même, déjà, notre ami Jean-Pierre Chevènement. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu depuis un petit moment. Bah oui, il ne joue plus vraiment un rôle politique important. Son parti est quand même très, très, très faible. Il dit « Je suis un facilitateur, je mets de l'huile dans les rouages entre la Russie et la France », parce qu'il paraît qu'entre Poutine et Hollande, c'est pas ça, hein, quand même. Poutine, il regrette Sarko. Ah oui ? Poutine, il adorait Sarko, il trouvait que c'était un mec formidable. Ce qui est rigolo, c'est qu'on nous raconte que Nicolas Sarkozy, c'est dans le Figaro qu'on nous raconte ça ce matin, a eu la trouille de sa vie la première fois qu'il est allé en Russie. Oui, parce qu'il l'a emmené faire un tour de 4x4 chez lui, le pied au plancher et tout, il paraît qu'il a fait chier. Il ne doit pas y avoir de radar du côté de chez Poutine, parce qu'il paraît que Poutine a pris Sarko dans son 4x4 et il l'a conduit à une vitesse de dingue et l'autre était terrorisé à côté. Dans le siège enfant.
attaché à l'arrière. Ah, on sent le citoyen belge qui n'a peur de rien. Je me permets de dire qu'il y a des radars en Russie, mais qu'il y a peu de chances que Poutine soit condamné pour avoir fait une infraction. Celui qui serait condamné, c'est celui qui l'aurait flashé. Oui. C'est la prison à vie. C'est pas pareil. C'est ça, ouais. C'est le photographe qui rend tôt, là, tout simplement. Une autre question. Ah, celle-ci est pas mal, mais elle peut peut-être prendre un peu de temps. On va bien voir. Oh. Quelle est la particularité des oies à tête barrée par rapport à d'autres oiseaux? Bah, c'est qu'elles volent le plus haut des oiseaux, sauf cet oiseau africain qui vole à 11 000 mètres d'altitude. Allez, question suivante. Ouais, voilà. Qui s'appelle, le, qui s'appelle le vautour Rupel. J'ai lu aussi les journaux. Comment vous savez ça? Ouais, on avance. La plupart, Laurent, la plupart des oiseaux peuvent voler jusqu'à 1000 à 2000 mètres, mais on a eu des oiseaux, effectivement, qui vont jusqu'à 11 000 mètres et qui vont jusqu'à percuter des avions. Il y a de la triche, là. On a lu les journaux. On a piqué les questions. Mais d'habitude, vous ne les lisez pas. D'habitude, ça nous fait une heure dix. Non, mais si tu veux, on a qu'à inverser. Ça t'apprendra. Ça vous apprendra. Ah, ouais. Parce que, regardez, j'ai deux notes de... J'ai pas gagné d'accord au qui a mieux bossé, parce que je peux manifestement pas gagner à ce jeu. Mais je sais toutes les réponses. Ah, et je vois parfaitement l'article. Il était dans le Parisien, en bas à droite de l'article. Le vautour, Rupel. Alors, tu veux qu'on te nique ton émission? On va te la niquer. Vous savez, Laurent, comment on lit les journaux désormais? On lit pas le journal, nous. On regarde quelles sont les conneries qui pourraient nous causer à la radio. Moi, je me mets dans la peau de Laurent Ruquier. Je regarde, je photographie le journal. Je dis, là, il y a un coup de stabilo. Là aussi. Alors attendez, c'est un défi que vous me lancez. Ouais. On va voir si vraiment vous les avez bien lus. Cet homme qui fut résistant vient de mourir à l'âge de 99 ans. Facile. Allez-y, bon indice. Il s'appelle Kayavé. Oh merde. Mais oui. Allez, question suivante. Vas-y, continue. Pourquoi on connaît Kayavé? Radical socialiste, ministre au plan du temps de Mendès France, et ensuite député de Lot-et-Garonne, ensuite surtout de sénateur. Il a été connu parce qu'il a fait beaucoup de lois, en particulier pour lutter contre pour la transsexualité. C'est vrai contre que t'es chiant que tu sais tout. Hein. Et surtout pour le droit à mourir, l'euthanasie. La fameuse loi Kayavé, c'est comme ça qu'on connaît son nom, grâce moi, c'est à comme ça que je cette loi. On va voir, j'essaye une autre. Hein. Non, Laurent, vous allez voir, on va répondre tellement vite à vos trucs que vous allez bientôt avoir besoin de tellement de questions que vous ne verrez plus derrière votre pile. Ils sont 100 000. Et ils vont toucher une prime de 7 200 euros. Chacun ou en tout? De qui s'agit-il? Les hauts fonctionnaires qui ont fait la liaison. Ah, je suis content. Mais ça, attendez, on peut parler dans cette émission. C'est une indemnisation? Du tout. Ça concerne des retraités en tout cas. Non. Ils ont réussi à faire quelque chose, ou bien c'est leur statut qui leur permet d'accéder à cette prime? Ils ont réussi. Le mot est oui. On peut dire qu'ils font partie d'une réussite en tout cas. Oui. Ils ont fait valoir un droit. Évidemment, c'est les ouvriers de Volkswagen. Putain, c'est ça. Putain. Allez, question suivante. Là, allez, honnêtement, Laurent, pour vous faire plaisir, on savait tous, on a juste laissé traîner un peu. Oh, menteur. Allez. Les salariés de chez Volkswagen vont toucher une prime de 7 200 euros grâce aux bénéfices colossaux dégagés par le groupe Volkswagen l'an dernier. Ça fait rêver chez Peugeot et chez Renault Ce qui serait élégant, c'est que ces employés de Volkswagen donnent la moitié de cette prime aux employés de chez Peugeot. Ouais. Pour montrer que. Voilà, peut-être ils le mec qui dessine les Peugeot et les Renault. J'ai même une autre suggestion. Question à faire, c'est que tu donnes la moitié de ce que tu gagnes avec le chat à Charlotte Julien pour ses dessins. Ça serait très bien de partager avec elle. C'est un peu naïf. C'est un peu naïf. J'en essaye une autre. Oui, hein. Allez-y. Qui va être nommée ambassadrice des États-Unis au Canada, si on en croit l'Express? Hillary Clinton? Non. Est-ce que c'est... C'est une femme? C'est une femme. Oui, ambassadrice, souvent c'est une femme. Souvent c'est une femme. Je gagne du temps. C'est une ancienne actrice, c'est une actrice de cinéma. Une comédienne? Comédienne. Pas une actrice de cinéma. Enfin, c'est une artiste. Une sportive? Une sportive, non. Une chanteuse. Artiste, me dites pas que c'est Lady Gaga. Non. Non, mais elle est ambassadrice des États-Unis au Canada. C'est j'adorerais. Caroline, est-ce que je peux lancer un appel? Pardon? J'adorerais être nommée ambassadrice de France à Los Angeles. Ah oui, on va s'en occuper, Caroline. Est-ce que je peux me permettre de te faire remarquer qu'il n'y a pas d'ambassadeur de France à Los Angeles? Parce que le mec qui avait raté la mairie de Neuilly. Non, mais il était consul. Il était consul, c'est pas tout à fait pareil. Ok, bah consulette alors.
Ça a un ambassadeur par pays, en général dans la capitale, tu vois, oh, c'est ça le ce principe. Que vous êtes rabat-joie. Je sais qui c'est. Vous avez dit Gérard Millet. Caroline Kennedy. C'est Caroline Kennedy. C'est qui alors Caroline Kennedy? C'est la fille, la sœur de John et la fille de John Fitzgerald. Elle n'était pas dans la voiture, Caroline Kennedy, ici, au moment de l'attentat? Non. Ah ben, pas du tout. Au moment de l'attentat, il n'y avait que Jackie Kennedy. Elle était enfant, elle était toute petite. Elle était même encore dans le ventre de sa mère. Mais non, pas du tout. Caroline était l'aînée. John était à ce moment-là le petit. Dans la voiture, il y avait Jackie et John Fitzgerald. Caroline Kennedy, elle a aujourd'hui une cinquantaine d'années. Et c'est effectivement son frère John qui s'est tué. Elle est née en 57. Elle est seule au monde. L'attentat a eu lieu en 63. Chez les Kennedy, quasiment tous les garçons ont mal fini, d'une part de la génération de John Fitzgerald, y compris les enfants. Les filles s'en sont mieux sorties, et notamment Caroline. Qui sera peut-être donc ambassadrice des États-Unis au Canada, si on en croit à l'Express, parfaitement lu par Gérard Miller. Il devait être 4 et on apprend ce matin dans le Figaro que finalement ils ne seront que 3. Les mousquetaires. Non. Dit comme ça, franchement, il y a beaucoup de cas de figure où ça pourrait être le cas. Est-ce qu'on parle d'être humain? Oui. En France? Il devait être 4 et ils ne seront que 3. Est-ce qu'il y en a un? C'est une mauvaise nouvelle qu'on apprend ce matin dans le Figaro. Ah, donc le quatrième est mort? Non. Malade? Non. Indisponible? Décommandé? Décommandé en quelque sorte. C'est un rapport avec le sport? Non, mais oui. Oui, bien sûr. Ils devaient être 4 et ils ne seront plus que 3. Excellente réponse. Et c'est encore une bonne réponse. Et du coup, ça fait un double un peu boiteux. Ce sont des finalistes français qui devaient être 4 et qui ne sont finalement que 3. Oui, des champions français. Alors, ce ne sont pas des finalistes. Non, pas des finalistes, mais des champions. Long. Est-ce que ça concerne un sport collectif? Non. C'est sur une ligne de départ. Ligne de départ, on pensait qu'il y aurait 4 Français sur la ligne de départ. Et il n'y en a que 3. C'est pas en Formule 1 quand même. Dis donc. Et c'était 4 Français en Formule 1 et c'est le type qui s'appelle machin et qui n'est pas pris dans l'équipe indienne. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi qu'il savait donc manifestement. Gérard Miller qui a lu comme moi ce matin à l'aube les journaux. Et tu peux comprendre que, attends, je cherche et puis je trouve au bout de 2 minutes. J'ai trouvé au bout de 2 minutes. Oui, je le savais mais c'était enfoui au bout de la mémoire. Je ne le savais pas tout de suite, j'étais incapable de répondre immédiatement. Il a fallu que 4 lignes de départ, 4... Sollicité. Ah oui d'accord, hop, pole position, hop, l'équipe. T'as cherché dans ton disque dur. Ouais. C'est pas beau de mentir. Hein. Non, mais je le crois tout à fait. Une autre question. Ah, je pense que Caroline Diamant va avoir la réponse à cette question. Je dis tout de suite Lady Gaga, alors. Cliff Palmer, il est australien, milliardaire. Il a même 4 milliards d'euros, on peut dire, c'est sa fortune. Et grâce à lui, on va avoir quelque chose d'étonnant en 2016. Quoi donc? Alors attendez, c'est un milliardaire, 4 milliards, faut que je cherche dans mes contacts. C'est pas le mec qui a sauté de 39 kilomètres là? Du tout. Non. C'est dans le monde de la mode? Non plus. Il va placer des extincteurs partout en Australie? Non. Est-ce que c'est pour éviter les feux de forêt? Ce sera pas seulement en Australie, ce sera un événement mondial. Ça n'a pas un rapport avec le Titanic 2? Alors allez-y. Eh ben, c'est pas lui qui va piloter le... qui va faire le Titanic... Voilà, il s'offre un Titanic 2, c'est le projet fou d'un milliardaire australien. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est-à-dire, il est fait à l'identique, c'est ça? À l'identique. Exactement. J'ai la photo, là, de la maquette du Titanic 2. Son premier voyage entre l'Europe et les États-Unis se fera comme son modèle, le premier Titanic. Et pareil, l'iceberg, pareil. Seulement au bar. Tu auras le cocktail Titanic 1 au bar. C'est un martini avec beaucoup de glaçons. Il paraît qu'il respecte le fait que tu ne pourras pas passer d'une classe à l'autre, tu sais. Et là, Philippe. Quoi? Si. Je crois qu'on n'y a pas eu le droit en 2013 encore. Oh, mais non, ça fait deux ou trois ans qu'on n'y a plus eu le droit. Ouais, moi, je pense qu'un petit goût de revival, ça peut quand même. Vous croyez pour les jeunes? Ça fait maintenant, allez, on va dire 20 ans qu'on le fait chaque année quasiment. Oui. Ouais. Dès qu'on parle du Titanic et que vous êtes là, et là, je ne l'ai pas entendu depuis des années. Non, c'est vrai. Et à chaque fois, ça me fait hurler de rire. Bon. Alors, juste pour moi, même si ça agace les auditeurs qui ont entendu ça 20 fois déjà. Non, mais alors, il faut penser que les auditeurs, voilà, se renouvelle. Il y en a qui ne sont plus là et puis des jeunes qui arrivent, qui n'étaient pas nés quand nous avons... Alors, l'orchestre du Titanic. Donc l'orchestre du Titanic jouait plus près de toi, mon Dieu. Tu sais, Jean-Marie. C'est historique. Et le bateau coulait et les hommes restaient à bord et chantaient. Et l'orchestre jouait jusqu'au bout. Et les hommes qui savaient qu'ils mourraient chantaient plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, jusqu'au bout. Alors ça chantait bien.
Mais vers la fin, ça a commencé à ressembler à ça. C'était « Plus près de toi, mon Dieu. » Vous aimeriez aller sur le Titanic 2, Caroline Diamant ? Alors là, je vous le dis, hein, je ne suis pas superstitieuse, mais vous me mettez 1 million d'euros en petite coupure, je ne fais pas le trajet. Ah, c'est vrai, même pour 1 million d'euros ? Non, parce que je me dis, je ne sais pas, c'est trop, je ne sais pas. Non. Allez à l'avant mais du moi, bateau. Ça me rappelle cette blague du mec qui saute dans une chaloupe au moment où le Titanic coule. Et là, il y a un officier, il l'attrape, il dit « Dites donc, monsieur, il reste des femmes à bord. Hein. » Et l'autre, il dit « Vous croyez que c'est le moment de niquer ?» Faut se barrer, mon vieux. Vous monteriez, vous ? Même pour Boin, oui, je monterais, mais après, je comprends. Il y a quand même quelques signifiants qui sont, pour l'éternité, quasiment malsains. Ça va être les blagues, par exemple, au bar du Titanic. Un peu de glaçon, monsieur ? Non, surtout pas, merci. J'imagine comment ça va se passer à bord. Bon, moi, je suis pas superstitieux à ce point-là. J'irais volontiers, surtout pour 1 million d'euros. Moi, j'accepterais le 1 million d'euros, mais je ferais le voyage retour. Ben ça, c'est pas con. Tu as raison. Ou alors, tu vois, une traversée, mais dans le golfe du Mexique, un endroit cool, tu vois, avec de l'eau chaude. Pour quelle raison va-t-on regarder de près le jury du Festival du film asiatique qui va se tenir début mars à Deauville ? Ouf. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qu'on connaît bien. Ah, j'ai un peu corsé les questions, parce que j'ai bien vu que c'était trop facile pour vous, ces dernières. Hein, parce qu'il va y avoir quelqu'un qu'on connaît bien. Quelqu'un qui fait parler, on va dire. Qui fait parler. C'est Johnny Hallyday. Alors, je vous rappelle que c'est le festival du film asiatique de Deauville qui se tient début mars. Pourquoi tu dis excuse-moi, mais Johnny Hallyday n'est pas asiatique, il est juste lifté. Non, mais... non, mais parce qu'il a joué dans non, un mais film. Non, il peut emmener ses enfants au cinéma. Non, c'est bête parce qu'il a... il a joué dans un film de qui, de Wong Kar-wai ou un truc comme ça. Est-ce qu'il s'agit d'un descendant d'une personnalité connue ? Non. Est-ce que ce mec-là sera coréen ? Non. Est-ce que c'est un asiatique qu'on cherche ? Non. Est-ce que c'est un Français qu'on cherche ? Quelqu'un qui vit en France, mais qui n'est pas d'origine française. D'accord. Et est-ce qu'il est balèze en sport de combat ? Parce que tous les films asiatiques, c'est quand même très karaté, tout ça, non ? Ce n'est pas quelqu'un dont je sache que non. Cette personne soit, on va dire, forte pour les arts martiaux. C'est un fils de roi ? Non. Est-ce que c'est un Français ? Cette personne, non. Vous l'avez déjà dit. Non. Non, je veux dire, excusez-moi, est-ce que c'est un Américain ? Cette personne n'est pas américaine. Est-ce que c'est quelqu'un qui est eurasien ? Cette personne n'est pas eurasienne. Est-ce que cette personne est africaine ou c'est un acteur de cinéma est-ce qu'elle est ou américaine du Sud ? Ça fait quand même à peu près, on va dire 14 ans que je fais cette émission. Si vous n'avez pas encore compris, quand c'est je dis quelqu'un femme. Ou cette personne, il s'agit d'une femme, bah je démissionne, moi. Justement, est-ce qu'elle est actuellement ministre ? Oh putain ! Est-ce qu'elle est actuellement ministre ? Non. Est-ce que c'est la présidente de Birmanie ? Est-ce que c'est, Aung San Suu Kyi ? Mais non, il a dit que ce n'est pas quelqu'un. Elle n'est pas asiatique, Aung San Suu Kyi. Comment vous avez dit ? Non. Et puis, Aung San Suu Kyi n'est pas japonaise. C'est parce que elle est birmane. Est-ce qu'elle est birmane ? Ah, vous avez dit japonaise ? Non, eh ben, j'ai pas dit qu'elle était japonaise. Elle est asiatique. Il a dit pas. J'ai pas dit qu'elle était asiatique. Eh ben, c'est Gong Li. Ah, mais elle n'est pas asiatique, que je vous dis. Alors. Tu veux que je la claque ? Je suis tout prêt. Donc, elle n'est pas américaine. Elle est européenne ? Cette non, personne. Non plus. Anglaise. Ah non bah plus. Non. Elle vit en France, hein. Maintenant, elle est considérée, elle a peut-être même. C'est Régine. Elle a peut-être même. Expliquez-moi ce que ça Régine. Ça m'amusait, voilà. Ce que Régine foutrait au festival du film asiatique. Bah, je trouve que c'est pas, ça fait belle affiche. Régine, directrice du festival. Est-ce qu'il y a quand même un lien étroit entre cette personne et l'Asie ? À ma connaissance, non, mais je dois dire que je ne la connais pas très très bien non plus. Elle est latino-américaine, effectivement ? Oui, monsieur. Ah, voilà. Ah bah c'est Shakira. Shakira, bien sûr, non. Elle était en prison au Mexique. Pardon ? Elle était en prison au Mexique. Ah voilà, ça ferait Florence Cassel. Voilà, ça, voilà, puisque j'ai dit que ça fera évidemment du bruit. C'est Florence Cassel. La question n'aurait aucun intérêt si je vous demandais qui fait partie du jury. Je dis, on va scruter de près, on va regarder de près ce jury parce que elle y participe, c'est ça l'intérêt de la question. J'ai une idée. Donc Florence Cassel, ça, c'est une bonne idée, vous voyez, bonne idée. Mais c'est pas une bonne idée, c'est pas ça. Parce qu'elle est française. Ah, c'est l'ancienne, est-ce que c'est une femme politique ? Non. Elle est née où ? Elle demande carrément comment elle s'appelle. Elle est née à New York. Elle est à New York et Anne Sinclair. Anne Sinclair, non. Non plus. Mais elle est française, elle parle français sans accent. Pardon. Est-ce qu'elle parle français sans accent ? Je ne l'ai, pour tout dire, jamais entendu parler. Ah, on connaît donc que sa tête ? On connaît même pas sa tête. On connaît son nom, on connaît son visage, on connaît ses écrits.
Ses écrits. Donc c'est une écrivaine. Elle est en vie. Elle est en vie. Bah oui, oui, puisque si elle participe au festival, il y a des chances qu'elle soit encore un peu vivante. Parce bon, que bah, sinon, n'empêche que si on est obligé de toquer au cercueil pour dire qu'est-ce que vous en pensez de celui-là, madame. J'essaie de regarder, je vois pas de rapport avec le cinéma asiatique en tout cas. Vous avez pas envie de nous dire où elle est née? Ça veut dire que si on trouve le pays où elle est née, pour oui, vous, ça vous on aidera. Trouvera tout de suite qui c'est. Normalement. Ne me dites pas que c'est Marcela Yacoub. Marcela Yacoub, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Cette femme qui a écrit le livre sur Dominique Strauss-Kahn. Belle et bête. Oui, c'est l'écrivain Marcela Yacoub. Vous imaginez qu'on va suivre de près le jury du Festival du film asiatique à Deauville, puisque... qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Mais donc, c'était avant l'affaire qu'elle a été proposée. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Ouais. Elle n'y sera pas. Vous croyez qu'elle n'y sera pas ? Mais non, elle n'y sera pas. Pourquoi ? Pourquoi elle annulerait ? Parce que je pense qu'elle est dans le 36e dessous. Moi, je crains le pire. Dans elle est dans le 36e dessous. En revanche, elle sera au Festival du film cochon. Mais parce qu'il suffit de lire ce qu'elle a écrit et il suffit de voir le mail qui a été proposé, lu à la... à l'audience. Elle regrette d'avoir fait ce livre. Mais c'est pas qu'elle regrette, c'est qu'elle va extrêmement mal. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de diagnostic public. Le mail était incroyable quand même. Elle raconte également qu'avant de se lancer dans cette histoire invraisemblable, elle était à deux doigts de se suicider. Je vous signale qu'elle le dit elle-même. Celui quand même qui va bien, c'est quand même Strauss-Kahn. Moi, dans cette affaire, on l'a peut-être pas assez dit, mais ce qui m'épate quand même, c'est que faut quand même rappeler l'époque pendant laquelle cette femme a eu une liaison avec Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'on est en 2012, on est au plein moment de l'affaire. C'est-à-dire que c'est au moment où tout le monde est effondré pour lui, pour sa femme, Anne Sinclair, on essaie de le sauver de cette situation. Eh ben non, lui, pépère, il continue à baiser. Il se lève le matin, il se dit, je tirais bien un petit coup ce matin là pour changer les idées. Je me permets, connaissant bien l'affaire, que le problème n'est pas qu'il continue à baiser, ça on peut l'imaginer pour n'importe qui dans des situations tragiques, c'est qu'il est avec cette femme. C'est-à-dire que vous ne connaissiez peut-être pas Marcela Yacoub. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où il a le monde entier contre lui. Ou, Laurent, j'ajouterais juste une chose, c'est quand on connaît Marcela Yacoub, c'est très simple, quand Marcela Yacoub rentre dans une pièce, il faut mieux partir à l'autre bout de la terre. C'est une personne quand même extrêmement bizarre. C'est qu'il ait eu une liaison avec cette femme. En janvier 2012. Une fois qu'il est revenu en France, une fois que les choses commencent à s'apaiser, une fois que l'affaire du Carlton sort, ben lui, il continue. Qu'est-ce qui pousse ? Vous posez cette question. Eh bien, regardez, le 20 mars le film que j'ai réalisé avec Anaïs Feuillette sur ce sujet. C'est exactement la question. Ça s'appelle L'homme qui voulait tout et c'est exactement de comprendre la logique de DSK. Et tu penses que tu as compris ? Je pense sérieusement. Alors après, on peut penser que c'est la prétention. Je pense effectivement avoir essayé de trouver. Ça fait un an et demi que je travaille sur DSK. Je pense qu'on a dans ce film une possibilité de comprendre cette logique personnelle. Vous avez eu une interview de Dominique Strauss-Kahn ? Non. Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé Anaïs Feuillette ? Vous l'auriez eu. Vous auriez eu des documents visuels. J'ai évidemment contacté Dominique Strauss-Kahn, mais vous comprenez bien qu'il ne peut pas parler, ça va de soi, jusqu'à ce que l'affaire du Carlton. C'est quand alors ce documentaire ? C'est en première partie de soirée à 20h45, le 20 mars sur France 3. Parfait, le rendez-vous est pris. Ils sont 34 739 à être inscrits sur cette liste début 2013. Mais quelle liste ? Ils sont combien, vous dites ? 34 739 à être inscrits sur cette liste début 2013. C'est pour les municipales ? Non. Non, moi je pense que ce sont ceux qui veulent se marier. Et pourquoi vous pensez pour ça ? Parce que je suis inscrit à l'avance pour se marier. Non. Erreur, parce que 4739, il y en a un qui va se retrouver tout seul. Hey, surtout, est-ce que tu peux me dire où est-ce vraiment conne, hein. Non mais attends, c'est intéressant. C'est où est-ce qu'on s'inscrit quand on veut se marier à l'avance ? Je ne sais pas. Il y a une liste. Ceux qui veulent se marier s'inscrivent sur une liste. Là, ils sont liste. Vraiment inscrits. C'est une vraie liste. Et on demande soi-même à être inscrit. Pas toujours, d'ailleurs. Il y en a qui sont volontairement inscrits, d'autres qui sont inscrits contre leur volonté. C'est des Français ? Oui, ah oui, ça, c'est en France. C'est en France. Que des Français. Donc, que en France. Est-ce que c'est lié à la justice ? C'est un lien avec la justice. Est-ce que c'est est-ce qu'il y en a exceptionnellement beaucoup, justement ? Oh, c'est à peu près, ça varie chaque année. Il y en a, Jurés. Oui. Les jurés. Non. Et on s'inscrit en début d'année ou bien on s'inscrit n'importe quand dans l'année. Est-ce que c'est des gens qui veulent changer de nom ? Non. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait s'inscrire, nous ? Oui, bien sûr. À vous particulièrement, je dois dire.
Ah, un truc de régime, de machin. De... Ouais, la nouvelle cure Weight Watchers. Franchement, je pense même. Gérard n'a pas besoin de s'inscrire. Attendez, c'est des candidats pour des grèves de la faim. C'est-à-dire, si vous voulez faire un régime et en même temps mettre votre acte. J'ai pas besoin de m'inscrire. Gérard n'a pas. Parce que je sais que vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Parce que je suis déjà inscrit. Donc, c'est pas un truc. Non, 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 la repousse des cheveux. Il n'a pas besoin de ça. Vraiment, ça. C'est... Ah, je sais. Alors, allez-y. Si j'ai pas besoin de ça, c'est notamment lié à la procréation. C'est-à-dire. Mais parce que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de m'inscrire sur des listes pour l'insémination artificielle. Mais non, par pas exemple. Du tout aucun rapport avec quelque chose comme ça. Mais vous me prêtez des intentions terribles, Gérard. C'est pas je ne suis qu'amour à votre égard. À l'influence de Bigard. Mais Caroline, non, mais ça, je sais que Caroline, peut-être même qu'elle ferait bien d'ailleurs de s'inscrire. Ah. Et j'ai jusqu'à quand pour le faire? Quand vous voulez. Ah, c'est lié aux impôts. Il n'y a pas lié... de date limite, ça, tous les ans on peut s'inscrire, tous les mois. Laurent, est-ce que moi-même, en tant qu'étranger, vous, je pense pays, pas. Je pense, vous pourriez vous inscrire. Je sais. Et quand on est inscrit, je sais ce que c'est. Allez-y. C'est une loterie annuelle pour obtenir la carte verte. Non, du tout. En France, ça existe. Et une fois qu'on est inscrit, on est inscrit pour toute la vie ou il faut recommencer l'année d'après? Non. C'est valable 3 ans, en fait. Ah, d'accord. C'est valable 3 ans. Et ça, si vous ne vous désinscrivez pas, vous restez inscrit. Ah, d'accord. Est-ce que ça a un rapport avec les hommes? Mais en revanche, si vous voulez vous désinscrire avant les 3 ans, c'est pas possible. C'est pour être candidat à être cosmonaute. Pour donner quand même quelque chose, non? Des organes, son corps. Non, il ne faut rien donner, non. Est-ce qu'il y a un petit côté artistique? Du tout. Ne rêvez pas. Est-ce que c'est pour s'arrêter de fumer? Non. Est-ce que ça a un rapport avec la santé? Mais on se rapproche. Avec la santé? Non. S'arrêter de boire? Non. C'est genre une pétition qu'on signe par rapport aux éléphants? Du tout. C'est 300... Quel rapport vous auriez avec ça, franchement? Bah, l'éléphant... Je ne me serais pas permis. C'est 34 739 personnes. Elles sont toutes de bonne volonté. On peut arrondir à 35 000, si vous voulez. Peut-être au moment où je vous parle, il y a 35 000 personnes. Elles sont sympas, ces personnes? Ces gens-là sont sympas? Il y a des sympas, des plutôt pas sympas. De bonne volonté. Peu importe. Ce n'est pas des pompiers volontaires? Non. Militaires? Non, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, je me permets juste de remarquer ce point intéressant, c'est qu'une fois qu'on y est inscrit, pendant 3 ans, on ne peut pas s'en désinscrire. Oui. C'est peut-être pour tenir une chronique quotidienne de ce qu'on regarde à la télé, de ce qu'on mange. Du tout. Pour être sondé? Non plus. Est-ce que les gens sélectionnés, les 35 000 ou 45 000 personnes... Ils ne sont pas sélectionnés. Ils s'inscrivent de leur plein gré. Beaucoup d'entre eux sont volontaires, d'autres sont désignés. Il n'y a aucun critère de sélection, on est d'accord? Non. Est-ce qu'ils se reconnaissent entre eux? Ok. Ils ont peu de chances de se rencontrer, au fond. Ok. Ah, est-ce que ça a un rapport avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Et pourquoi ils ont peu de chances de se rencontrer? Parce que ça a un rapport avec Twitter. Parce qu'ils se sont inscrits sur cette liste. Sur la liste de No Facebook Today. Du tout. Ils demandent que quelque chose ne se passe pas. Ils demandent être brûlés quand ils seront morts. Ils demandent quelque chose ne se passe pas. Oui, en quelque sorte. Mais si je vous dis ça, ça va peut-être vous mettre sur une mauvaise piste. Ils font savoir à une autorité de tutelle. Oui. Qu'ils ne souhaitent pas quelque chose. Ça, c'est vrai. Voilà. Ils demandent à une autorité tutelle d'être brûlés après leur mort pas enterrés. Ils refusent de donner leur sang. Non. Ils veulent être euthanasiés. Non. Vous dites que je ne serai pas sur cette liste parce que je ne souhaiterais pas ne pas faire la chose qui est... C'est compliqué vos questions. Non, on ne comprend pas la question. Je ne m'inscris pas sur cette liste. Parce que vous n'en avez pas besoin, vous. Et Caroline, les autres, ils en ont besoin. Elle pourrait en avoir besoin parce que franchement... je me dis. Ah, ok. Allez-y. Ça a un rapport avec le cerveau. Du tout. Avec la psychiatrie. Comme elle passe un coup, c'est terrible. Comme elle. Ça a un rapport avec les cheveux. Comme elle s'auto-dénigre. Les éléphants. Les éléphants. Mais non. C'est un mot facile. Cherchez ce qui vous caractérise. Les lunettes. Non. Une belle bouche. La voix. Le rapport une à la voix musique. Magnifique. Non. Est-ce que c'est lié à son musique? Vous êtes vraiment, mais de loin, devant tout le monde ici, la plus concernée est celle dont on se dit que vraiment, peut-être qu'elle ferait bien, parce que c'est pas ce qui peut se passer. D'avoir un faux passeport pour fuir la France? Du tout. De jamais être raciste anti-roux. Ça se voit pas là pendant l'émission, ça se voit pas. C'est quelque chose qu'on sait. Encore que si. Ça se voit aussi pendant l'émission, au fond. Oui. C'est sur sa poitrine? Non. Vous avez raison, ça se voit pas visuellement, ça se voit par sa façon d'être. C'est une hyperkinétisme. Non. C'est une sensualité quand je te regarde, qu'est-ce que... Un charme hors du commun. Quand je te regarde... Une intelligence qui transpire même sans qu'elle parle. Sur la liste des gens qui gueulent trop fort quand ils parlent. Non. Ah, est-ce que c'est un rapport avec hockey?
Non. Avec Lady Gaga. Directement. Ok, ça a un rapport avec ok. C'est hein, les gens qui acquiescent beaucoup. Non, non, non. Hein, ah, très intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec l'éthique ou les tocs? Non, non. C'est des gens qui demandent à être protégés contre quelque chose. Oui, monsieur. Contre eux-mêmes, contre leurs proches, pour non. éviter qu'on les. C'est voilà. Ils demandent qui à être protégés. Parce qu'ils s'inscrivent sur, qui s'inscrivent pour être interdits de jeu dans les casinos. Ah. Excellente réponse de Caroline Diamant. Oui. Les addicts au jeu. Mais faut la connaître vachement bien pour ça. Non. Elle en parle souvent. Bah, elle en parle souvent, elle joue au poker, elle aime le jeu. Et pourquoi ça se voit dans l'émission? Ça se voit parce que vous voyez comment elle joue. C'est une joueuse, Caroline Diamant. Je vais vous dire, Laurent, c'est une très bonne question. Merci, Gérard. Excellente question. Ouais. Non, non. Tous les indices que vous avez donnés sont 34 739 personnes sont inscrites au fichier national des interdits de jeu. Et c'est pas seulement dans les casinos, c'est aussi en ligne sur Internet, car maintenant on joue aussi, on parie sur Internet. Vous vous faites interdire pour ne pas jouer sur Internet. Il y a un organe de régulation qui vous inscrit, vous faites une démarche personnelle, confidentielle, et vous ne pourrez plus parier au poker ou sur le résultat d'un match de foot. Vous ne pourrez plus non plus rentrer dans un casino. Il faut dire aussi donc que sur cette liste, certains figurent parce qu'ils sont condamnés avec sursis, mais beaucoup, ils sont de leur propre volonté. Et l'interdiction est valable 3 ans, et elle se poursuit si la personne concernée ne fait pas la démarche d'être retirée de la liste. Voilà. Et c'est valable qu'en France. Ouais, parce que moi, j'ai cruel. Des potes qui étaient dessus, qui se sont fait inscrire, et comme ça, ils se disaient... Mais non, mais c'est vrai, comme ça, ils se disaient, bon, je vais jouer une fois de temps en temps à Monaco ou machin... Au moins, c'est pas, tu vois, t'as pas accès tout le temps, donc c'est moins dangereux. Alors, il faut savoir que les établissements en ligne, c'est-à-dire ceux qui vous font parier sur Internet, qui vous font jouer sur Internet, ont pour obligation de surveiller ceux qui s'inscrivent et de veiller à ce qu'ils ne soient pas sur le fichier national. Et alors, ce qui est amusant, ça j'ignorais, mais il y a le chiffre, il y a 5% des gens inscrits qui essayent quand même. Oui, qui essaie quand même de jouer. Non, ce qui est très cruel, mais c'est logique. Non, non, ce qui est très cruel, c'est qu'en plus, on les interdit de jouer avec leurs enfants, on les interdit de jouer. Ils sont complètement interdits de jeu. C'est ça qui est vraiment difficile. Ils peuvent pas jouer au mille balles. Non, mais c'est rigolo de s'inscrire. Et puis, parmi ces gens qui s'inscrivent, il y a 5% qui ont essayé au moins une fois encore. Mais peut-être pour voir si ça marchait. Oui, 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 oui. Et puis, comment est-il possible? Je veux dire, il suffit d'utiliser un pseudo sur Internet. Comment ça marche sur Internet? Il y a l'adresse. Tu joues sur l'ordinateur de ton voisin. Ah bah oui, ça, évidemment, c'est pas énorme ça. 5%. Regarde le nombre de gens qui disent j'arrête de fumer et qui fument quand même. Donc le fait de prendre une décision. C'est moi que vous visez là. Non, pas du jusque tout. Là on était redevenus amis. Non. Europe 1. On va se gêner. Philippe Gueluc, Gérard Miller, Caroline Diamant, Jean-Marie Bigard, Jérôme Bonaldi et Isabelle Alonso, la grande gagnante du Kikalio Bossé aujourd'hui, sont là pour affronter celle qu'on attend depuis plus d'une heure maintenant, quasiment, Marion. Bonjour Marion. Oui, bonjour. Vous êtes à Orly, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas trop de bruit? Non, mais ça va. Ça va de l'autre côté, très bien. Faites quoi dans la vie? Je suis contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion. La petite soirée de mercredi? Devant le match. Ah, vous avez regardé le match de foot? Ah non, j'ai fait semblant de regarder. PSGOM, c'est votre mari qui vous a imposé le match? Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites partie, comme de nombreux Français, on a vu ça dans Le Parisien ce matin, il paraît qu'il y a à peu près 70% des internautes qui ont un écran supplémentaires en même temps qu'ils regardent la télé. C'est-à-dire que soit ils sont sur leur ordinateur, sur une tablette. Et c'est d'ailleurs pour ça que les émissions, de plus en plus, proposent d'autres services. En même temps que vous regardez l'émission, il y a d'autres services, les coulisses et tout ça que vous pouvez voir sur le net. Vous faites partie de ces gens-là? Et oui, je pense qu'on augmente bien la moyenne parce qu'on en a moins un chacun. C'est pas vrai. C'est fou, hein, voyez maintenant la vie hein, quand même. Hein. On est devant un écran et chacun en a encore un en plus. Ouais. Et vous faisiez quoi sur votre écran? Je regardais les actus. Voilà, pendant que le mari regarde le foot, elle regarde les actus sur sa tablette. C'est comme ça que ça se passe, la vie familiale, la communication entre les couples. Ça dépend. Moi, chez nous, on n'a qu'un écran. Et quand ma femme regarde un truc qui ne m'intéresse pas, moi, je regarde ma femme. C'est bien. C'est une vraie déclaration d'amour. Aurélien est à Boulanges. Que fait-il dans la vie, lui? Salut. Moi, je suis... Salut, Aurélien. Salut. Je suis technicien télécom. Technicien télécom. Et hier, la petite soirée pour un technicien télécom en Moselle. C'était le match de foot sur deux écrans. Donc, Sur deux écrans? Alors là, vous êtes pire que les autres. Un pour chaque équipe. Voilà. Pourquoi sur deux écrans?
parce que il y a la télé qui était un peu utilisée, donc j'étais sur l'ordinateur et puis sur un autre ordinateur pour le boulot. Et on revient à ce qu'on vient de dire. Non, mais c'est vachement bien. Alors tu peux avoir un goal d'un côté, un goal de l'autre. Le problème, c'est quand le ballon tombe entre les deux écrans et qu'on le retrouve plus. Et votre dîner, c'était comment alors, Aurélien, devant tous ces écrans? C'est des croque-monsieur maison. Ah, des croque-monsieur maison. Marion, vous nous, c'était raclette. Ah, bah, très bien. Raclette et croque-monsieur. Moi, ça me va. Je veux bien passer à la maison quand vous voulez. Voici la question qui va vous emmener, vous, au Grès d'Albion. Hôtel très, très connu à Cannes. Vous gagnez un week-end grâce à verichic.com, le site de vente privée d'hôtels extraordinaire. On vous ouvrira les portes de cet hôtel 4 étoiles situé au cœur de Cannes, rue d'Antibes, à 5 minutes à pied de la Croisette. C'est quand même pas mal. Ah oui, même ah pas. Ouais. Même pas. Oh non, vous le connaissez? Bah, ah bah oui, Antibes, c'est juste oui. C'est la, elle est parallèle. Je sais que j'aime pas marcher, mais là, c'est... Amis, enfin, pour les Cannois d'âge moyen, ça peut mettre 5 minutes, mais pour des visiteurs comme nous, ça... Il y a une magnifique piscine au Grès d'Albion, en tout cas, une piscine hollywoodienne à l'ombre de superbes palmiers. Vous irez voir sur le site verichic.com, vous trouverez toutes les informations sur l'hôtel Grès d'Albion à Cannes. La question est assez simple. À mon avis, vous avez intérêt à être rapide, Marion et Aurélien. OK ? OK, c'est parti. C'est parti. On le voit dessiner dans un album de Tintin les bijoux de la Castafiore. Et on a appris son décès à l'âge de 84 ans dans un hôpital parisien. De qui s'agit-il ? On le voit dessiner... dans un album de Tintin, on entend les ordis qui marchent. Willy Rizzo. Comment vous avez dit ? Willy Rizzo. Willy Rizzo, et c'est qui ? C'est un photographe. Photographe, designer, Willy Rizzo, à l'âge de 84 ans, paparazzo. Il était croqué, caricaturé sous le nom de Walter Rizzotto dans les bijoux de la Castafiore. Bonne réponse d'Aurélien. Philippe. Oui, non, je... Ah, c'est un... Mais titinologue, titinophile, tout le monde non, sait ça. Non, alors, j'ai buté là-dessus. Et donc, il s'agit du troisième personnage réel qui apparaît dans les albums de Tintin, puisqu'on savait qu'il y en avait très peu. Il y a Al Capone, qui est représenté, qui a vécu véritablement. Et il y avait Chang. Le fameux ami d'Hergé. Et ben, et donc, c'est vrai aussi pour Willy Rizzo, qui était pas tout à fait un paparazzo, mais en tout cas, il était représenté comme un paparazzo dans l'album de Tintin. Et il a fait les plus belles photos de Marilyn Monroe, de Brigitte Bardot, de Gene Kelly, de Maria Callas, Marlène Dietrich. Quelques-unes de moi aussi. Jane Fonda, Churchill. Salvador Dali. Voilà, il vient de nous quitter à l'âge de 84 ans. Et il a été un des grands photographes de Paris Match, de France Dimanche et du magazine Marie Claire. Vous ne le saviez pas, vous avez vu tout ça sur Internet, Aurélien ? Ah bah ouais, là je suis honnête, là je... Non, je ne le savais pas. Vous avez quand même gagné un séjour à l'hôtel Grès d'Albion à Cannes. Marion, désolé. Ah bah oui, là je suis très triste là. Non, mais il avait 84 ans, c'est normal en plus, il était âgé. Ouais. Il avait bien vécu aussi, hein. Il le disait lui-même, hein, je peux partir maintenant. Elle est très triste pour le cadeau, Gueluc, pas pour la disparition de Willy. Excusez-moi. Voyez. Oh là 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 là. Très drôle. Mais il y a énormément de gens très âgés qui décèdent. Oui, d'ailleurs. Il est mort Rizzotto. Si Rizzo meurt jeune, ça va pas. Ben non, mais 84 ans maintenant, c'est jeune. Ouais, bon, on est vraiment cons par moment. Oh, pas du tout. Ouais. Vive Cannes pour vous, Aurélien. Bravo, ils vous accueilleront très bien à l'hôtel Grès d'Albion. Le premier bar de ce genre vient d'arriver en Grande-Bretagne. On appelle d'ailleurs ces établissements des Neco Cafés. De quoi s'agit-il ? Neco, N-E-C-O ? N-E-K-O. Effectivement, on pense que ça va relancer les bistrots qui meurent en France. Pas du tout. Et c'est autour qu'il y a des bars à tout maintenant. Des bars à café, c'est juste ça arrive où ? En Angleterre, vous avez dit ? Là, ça arrive en Angleterre pour la première fois. Ah ! Est-ce que ça a un rapport avec le décaféiné ? Il y en avait il y en avait au Japon, je peux vous dire. Je ne crois pas, à ma connaissance, que ça existe en France pour l'instant. Le premier arrive en Grande-Bretagne, à Londres précisément. Okay. Un éco-café, mais c'est un bar à quoi ? C'est un bar à putes, mais non. C'est des putes électroniques. Tu glisses ta carte dans la fente et on te dit « Non, vous êtes débité, monsieur ». Vous avez trop tiré ce mois-ci. Enfin. C'est ce qu'on y boit qui est particulier. Non, c'est ce qu'on y mange. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des bars à tout. Vous avez c'est bars, conceptuel. C'est conceptuel. Vous avez des bars à ongles, par exemple, à Paris. Des bars à dents blanches aussi. Exactement. C'est un peu le principe. C'est pour se faire quelque chose qui vous rend plus beau, le Neco-bar. Non. Est-ce qu'il y a une racine dans Neco qui peut nous être utile ou est-ce que ça n'a aucun rapport ? J'en sais rien. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, Neco. Bah, c'est un endroit où on peut fouiller dans son nez.
tranquillement. Non. Non. C'est un bar où tout le monde fouille dans son nez. Ça, ce serait pas mal. Vous avez raison, on complexe toujours à faire ça. On s'est tout le temps engueulé. Tu sais pourquoi ? Parce que souvent, il y a une grande vitre derrière le bar et évidemment, tu vois tout le monde. Ça s'appellerait le bar de la narine. Oui, exactement. Alors, si vous regardez vos voisins d'embouteillage, vous verrez qu'une infinité de gens fouillent dans leur nez quand ils arrêtent. Oui, mais on est emmerdé dès que quelqu'un vous surprend dans la voiture d'à côté. Oh, bah, là, on irait dans un bar, comme la droite décomplexée, tu vois. Oui. La narine décomplexée. Ah, et on serait là, et on fouillerait. Tu sais pourquoi, moi, au feu rouge, jamais j'ouvre la vitre de droite. Parce que si le mec va truc et puis qu'il envoie la boulette de mon côté, je me la prends dans la bagnole. Ouais. Ça. Il y a des motos. C'est pas la journée de la femme, moi, je vous le dis. Hein. Et ça sera à l'autre niveau. Oh, putain. Mais c'est le genre de bar où c'est plutôt des jeunes qui vont. Non, non, c'est tous les âges. Est-ce qu'on fait des rencontres, genre du dating, un truc comme non, ça? Non, du tout. Est-ce que c'est visuel. Vos gueules. Est-ce que ce service, c'est quelque chose qu'on fait ailleurs d'habitude ou sinon on ne l'a pas? Comment ça, ce qu'on fait ailleurs d'habitude? Alors, par exemple. Est-ce que c'est... Laver son linge, par exemple. Exactement. Ça peut être un lavomatique où on peut boire un coup. Ou alors, par exemple, est-ce qu'on vous donne un cours de cuisine en même Certains temps Certains peuvent le faire chez eux, mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Parce qu'il faut un talent? Non. Ça nécessite un outillage, un appareil particulier? Est-ce que c'est un truc plutôt luxueux, un truc de non. luxe on peut, faire, on peut faire pipi comme en Allemagne. Il y a une gouttière le long du bar, on boit de la bière, on fait pipi sur place. Vous fréquentez de sacrés établissements. Bah, non, mais vous n'êtes jamais allé à la fête de la bière. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au corps? Non, pas spécialement. À l'esprit? Non plus. Évidemment, ça se veut être apaisant. Ah, c'est un zen bar, genre lounge? Non. Mais ce qu'on propose aux clients, ça se veut être apaisant. Ah, on est sur des waterbeds. Non, ce sont des bars à... À toilette. Non. Des bars... Et s'il y en a un parmi vous, je ne vais pas dire qui, mais il y en a un parmi vous qui franchement devrait connaître ce genre de bar. Un bar à enfants? Non. Ah bah, on a un psy, on peut poser des questions à un psychiatre. Non. Massage? Non. Et c'est Est-ce que c'est un peu cochon? Est-ce que c'est un peu... Du tout. Un bar à on caresse. On vous explique des modes d'emploi. Oui. Un bar à caresse, on peut caresser un animal. Oui. Un chat. Un bar à chat. On peut y caresser des chats. Bonne réponse. Bar à chat, bar à chat, bar à pute. Eh ben, j'étais pas loin. Un bar à chat. On y entre pour caresser des chats. Il y a des chats dans le bar et c'est apaisant parce qu'on caresse. C'est bien. En plus, si on mange des chips ou des cacahuètes, après, on peut s'essuyer sur le chat. On n'a pas besoin. Ça, c'est un endroit où vous irez jamais, Laurent. Hein. C'est ah non, parce que moi, je suis allergique. Il est allergique. Évidemment. Je suis pas allergique, mais moi, j'aime pas ça. Non, mais quelle idée. Un bar à chat. Comment ça, quelle idée? Tu sais qu'on permet à nouveau aux animaux comme les chiens par exemple de rentrer dans les hôpitaux parce que ça calme, ça détend par exemple les enfants qui peuvent caresser. Ça fait baisser, la tension de caresser un chien. Un chien qui te donne de l'amour, tu le caresses, ça baisse ta tension. Ah oui, non, mais ça c'est évident. Charlie, mon chien qui est très très beau, tu prends n'importe quel mec balèze et tout qui a envie de te casser la gueule, tu lui fous Charlie devant. Il devient tout mou, tout gentil. Ah non, mais c'est connu, mais il y a même des chirurgiens qui, évidemment avec une autorisation spéciale, emmènent leurs chiens dans les blocs opératoires et donnent les petits morceaux qu'ils enlèvent pendant les opérations. Mais t'étais pas trash comme ça. Si, il a toujours été comme ça. C'est parce qu'on avait oublié. Adèle sur Europe 1, Skyfall. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que Jérôme Bonaldi a bien pu nous apporter aujourd'hui? Des colas. Deux sortes de colas. D'abord, parce que le secteur ne va pas très très bien. On a consommé un peu moins de colas. Il faut dire que la météo y est pour quelque chose. Encore donc, il fallait du cola breton à tous les coups. Braise cola. D'abord, on ne dit pas de mal, parce que c'est dans 5 départements seulement. Ça a 10 ans à peine. C'était fait par 2 petits mecs formidables. Dans 5 départements, et ils sont numéro 3 français du cola. Ça marche. Alors, donc. Et c'est un eau de mer? Mais non, c'est un vrai cola. Et ils ont acheté Quand tu ouvres la bouteille, t'entends Nolwenn. C'était les premiers. Ils sont vachement forts parce que, et sincèrement, premier Coca, largement devant, deuxième Pepsi, troisième Braise Cola. Non, c'est bien, c'est bien. Et qu'on ne trouvait pas à Paris. Et maintenant qu'ils débarquent à Paris, on va l'avoir partout en France. Et c'était les premiers, par exemple, parce qu'ils sont jeunes et modernes, ils sont bretons, Braise Cola. Et c'est les premiers à avoir mis de la stevia dans leur cola. Alors, si vous n'aimez pas le Braise Cola, je vous conseille le Next. De Pepsi. Ah, Pepsi Next. Pepsi Next. C'est un Pepsi
Simplement, il y a moins de sucre. Ah, 30% de sucre en moins. Tu vois, t'as entre la segmentation du cola, tu vois, c'est compliqué la vie. Hein, c'est, t'as le sans sucre du tout, le avec que de la stevia, le avec plein de sucre. Alors, attendez, expliquez-moi, quelle différence entre le Pepsi Max, qui est l'équivalent du Coca Light, et le Pepsi Next? Eh bien, c'est pas un classique, c'est pas un light, c'est juste moins sucré. C'est donc l'équivalent du Coca Zéro? Pas tout à fait, non. Il y a 30. Non, non. Pas d'aspartame. C'est l'équivalent du Coca normal. La grande spécialiste avec du Coca. Avec 30% en moins. Voilà. Petit flashback, un chamallow avec un goût nouveau, ça a le goût de schtroumpf. Il y a des vrais morceaux de schtroumpf à l'intérieur. Ça, c'est bon. Hein? Là, on peut se prendre pour Gargamel. Voilà. Et quand ça, je pense que la semaine dernière, je mangeais encore tout ça et je me suis foutu à un régime strict depuis 3 jours. Mais pourquoi? Mais alors... pour perdre les kilos que j'ai en trop. Banane. Tu parles. L'idée, elle est que maintenant, un peu comme dans les boissons, si tu veux marcher, il faut faire du licensing, de licensing. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends des formes de trucs connus dans le genre les schtroumpfs. Donc, c'est un chamallow forme schtroumpf avec goût de schtroumpf. C'est pas passionnant, vos trucs aujourd'hui, à part le coca et le chamallow. Alors, j'ai de la teinture. Idéal, la marque de la teinture qui a 100 ans et qui fait un joint venture, un co-branding avec... Je ne comprends rien de ce qu'il raconte. Qui s'accorde avec une autre marque en français. Parce qu'il y a des gens qui font du marketing, virgule E, et qui lisent un peu les journaux. Vous avez une vieille paire de palladium, mais ça marche aussi pour les autres types de baskets. Une paire de palladium Les autres... Il y a longtemps que je n'avais pas eu une paire de palladium. Ouais. Ouais, parce que vous êtes... J'avais ça quand j'étais gamin, des palladium. Oui. Voilà, et des baskets, enfin des converses, quoi, avec de la toile. Ouais. Et tu veux la changer parce qu'elle est moche. Ouais. Hop, tu la mets avec la teinture idéale qui va changer la couleur. Et c'est pas moche et verte. Et si tu... Tu avais une paire de chaussures que tu aimais bien et que donc, toi, tu ne trouvais pas moche. Il n'y avait que les vieilles acariâtres et méchantes qui mangent des schtroumpfs. Ça s'appelle pré-atteindre, c'est ça. Absolument. Et puis ce qui est vachement pratique, c'est que tu n'entends qu'une des deux et tu ne confonds plus jamais la gauche et la droite. Et t'en as deux possibles. Et si ça te plaît, tu fais l'autre. Et en plus, comme tu peux marier... Regarde, comme tu peux marier les couleurs, tu mets bleu et jaune, ça fait vert, enfin, etc. T'as 18 coloris possibles. Ça, c'est tout, ça, par exemple, le truc... Mais chez toutes les bonnes merceries dans les grands magasins, drogueries, maintenant, dans les drogueries. Enfin, c'est pas mal. C'est vachement bien. Ouais. Non, c'est vraiment spécial. Ça coûte quand même 75 euros. Vaut mieux s'acheter des baskets d'une autre couleur. Non, non. Ah, la basket, la basket. Bah, pourquoi vous me mettez le prix de la basket puisqu'il n'y a pas besoin d'acheter la basket? Mais au cas où vous ça me demandiez... Ça coûte 5 euros. Vous me demandez 5 euros la teinture. Ah bah oui, ça vaut le coup. 5 euros. Autre chose, une souris. Souris d'ordinateur. Pas tout à fait comme les autres. Regardez sous la souris, il y a comme une petite fenêtre. Oh. C'est quoi? C'est un scanner. En même temps que tu es là, tu apprends par exemple un journal... Et tiens, je voudrais bien photocopier cet article. Sans changer de main, hop, tu prends la souris, tu fais zzz, tu le passes comme ça, comme tu fais un fer à repasser, et ça scanne l'article. Ça, c'est vachement bien. T'as derrière un OCR, vous savez ce qu'un... Mais ça marche tout de suite, si je le branche sur mon ordinateur, il n'y a pas d'installation. What you see, what you get. Ça veut dire WYSIWYG. C'est just plug and play. Tu le branches, ça marche. Donnez-moi. Voilà. Ça, c'est génial. Tu le mets à un vieil ordinateur. Tu traduis tout en anglais. C'est vachement bien. Et en plus, tu le mets avec un reconnaissance de caractère et un traducteur. Ça te traduit 135 langues. Mais ça, c'est Stabilo qui va s'effondrer, là. Exactement. C'est ta stabilité. Mais off, ça rentre directement dans la mémoire de ton ordinateur. Qui fait ça? C'est monsieur. Iris Khan. De chez Mouz. Ouais. Ils font des trucs vachement USE. Bien. Mais non, Mouze. Mouze, ça veut dire souris. Ah bon? Mouse. Il dit oui, lui. Mouse. Mickey Mouse. Mouse. J'avais pas vu que c'était souris. Je le sais. Je suis con. Tu ne sortiras pas. Iris Khan, Mouse. Il faut réclamer ça. C'est moi qui l'avais fait. C'est comme ma grand-mère, ça. Parce qu'elle demandait à son mère d'aller acheter du beurre de cacao. Et en Belgique, vous savez, tout est en deux langues. Alors c'était beurre de cacao, cacao, butter. Mais il l'avait mis en une fois, beurre de cacao, butter. Et alors elle demanda à son mari, ramène-moi du beurre de cacao, mais prends la bonne marque, le butter. C'est ce qui vient de m'arriver, exactement. Alors la mouse, la souris, voilà. Iris Khan, donc. Ça coûte pas très cher en plus. Enfin, non. Pas très cher. Non. C'est cher, mais je trouve que c'est pas mal utile. Surtout au prix où vous l'avez reçu. Parce qu'il y a souvent des fois où on sait pas comment photocopier un truc et le transmettre. Ouais. Parce que maintenant, non, mais c'est le fax, génial, c'est... Attendez, mais on vous scanne. Pouvez même téléphoner génial. Avec ça, vous savez ça. Alors, pour les spécialistes, c'est 300 des pays. Hein, 80 euros, hein, en gros. 300 des pays seulement, enfin, c'est déjà ça. C'est pour les journaux et même pour les corps 8 sur le monde, j'ai essayé, ça marche bien. Quoi. Non, mais pour les spécialistes. Je la garde. D'accord, hein, ma souris. Vous dites Iris Khan. Iris Khan. Voilà, ça y est, vous la donne. Ah. Et si moi je le dis, il m'en envoie une. Essaye. Iris Khan. Je voulais dire un truc aux auditeurs.
Iris Khan. Yes, we can. Iris Khan. Ah, s'il suffit de dire un mot pour qu'on l'ait, c'est formidable. Ah ouais. Alors moi, je vais dire Chanel, sac à main. Moi, je vais dire banque populaire. Crédit agricole. Moi, depuis le temps que je dis Europe 1, on m'a jamais offert la station. Oh, attendez, je pense à un truc, je vais dire le chat chez Casterman. Ça marche peut-être. Ah, c'est pas mal. Un dernier truc ou très vite. Vous connaissez l'expression on the rocks? Oui, bah, whisky on the rocks. Bah, au début, c'était des vrais rocks. Et il y a une boîte de vente par correspondance qui s'appelle Pearl. Vous appelez des vrais rocks? Eh bah, ben, c'est des vrais cailloux. Ah. On vous vend des vrais cailloux, des vrais cailloux venant d'Écosse. C'est comme des dés, comme des apéritifs. Ça sert un à peu quoi plus gros. Tu les mets au congélateur. Et après, tu les mets dans ton whisky on the rocks. Ah. Et tu ne mets pas de la flotte dans tes boissons. Et ça fait le whisky très pur et qui a froidi. Et puis après, tu t'en resserres, tu les remets dans le congélateur. C'est génique comme truc. Non, mais c'est con. Mais c'est bien, faut pas avoir des verres fragiles. Gérard, ça lui rappelle 68. Ouais. Ils ont des petits pavés dans son whisky. L'invité d'honneur est arrivé. Il faut retrouver qui c'est dans quelques minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Heureux de vous recevoir. Bonsoir, votre voix est déformée, mes camarades vont tenter maintenant de savoir qui vous pouvez bien être. C'est parti. Attention, je vous demande vraiment des réponses très courtes, pas trop de précision, oui ou non dans le meilleur des cas, ou deux, trois mots seulement quand vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que ça vous gêne si je vous tutoie? Non. Tu es une femme? Oui. Moi, ça me gêne que vous la tutoyez. Ouais, je suis d'accord. Oui. Ouais. Ça me donne une indication, je vais évidemment vous voyez notre invité, ça donne une indication quand même sur qui est cette personne. Est-ce que dans votre métier, les gens se tutoient beaucoup? Voilà. Est-ce que la démission du pape vous a déprimé? Est-ce que vous avez dans votre famille quelqu'un qui est plus connu que vous? Est-ce que vous êtes hypochondriaque? Pas du tout. Que pour jouer à notre petit jeu, vous êtes obligé de dissimuler un accent? Non. Est-ce que vous conduisez scooter, moto et autres deux roues à moteur? Et autres vélocipèdes? Non, jamais. Est-ce que vous prenez de longues vacances l'été? Non. Est-ce que vous aimez le cheval? Non. À manger, on parle. Hein. Non, en l'occurrence, non. Est-ce que votre activité professionnelle suppose des horaires fixes? Non. Non. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà été viré d'un quelconque boulot? Non. Est-ce que vous-même, vous avez déjà viré des gens? Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous travaillez, ou avez travaillé avec des employeurs? Non. Donc vous êtes... Votre propre employeur. Oui. Donc vous avez une activité artistique? Oui. Et oui, est-ce que vous chantez en dehors de votre salle de bain? Oui. Un premier indice. You better think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. C'est un joli premier indice, en tout cas qui fera plaisir à notre invité, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Vous l'avez compris? Oui. Ah, c'est rare. En général, le premier indice est tellement compliqué que même l'invité n'y comprend rien. Est-ce que ça a un rapport avec le film Les Blues Brothers? Oui, non. Oui et non. Est-ce que vous avez des enfants? Caroline Diamant propose Morane. Êtes-vous? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Vous êtes... Moi, je connais, oui. Oui, mais vous n'êtes pas engagé dans les pétitions, des trucs comme ça. C'est déjà pas mal, elle les connaît, elle. Ouais. Engagé, oui, politique, non. Engagé pour des causes humanitaires. Oui. Est-ce que vous êtes plutôt bavarde dans la vie? Très. C'est pour ça que j'ai pris mes gardes. Non, mais pour attaquer avec, surtout ne répondez que par oui ou par non. Ok. Est-ce que vous avez beaucoup de copines ou d'amis qui exercent le même métier que vous? Oui. Et est-ce qu'on sait que vous êtes toute une bande d'amis? Non. Non. Un deuxième indice. This time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka. Il faudra, mes
m'expliquer comment Gérard Miller a trouvé, mais il a trouvé. Alors là, je dois dire, écoutez, Gérard, Laurent, vous ne dites rien maintenant. Bien entendu, mais je vous expliquerai comment j'ai trouvé. Ah oui, parce que là, c'est très rapide quand même. Gérard a déjà identifié notre invité et Caroline Diamant aussi. Waouh, ils sont très très forts. Ils, alors, ils peuvent continuer à poser des questions. Non. Mais si, mais comment on fait des propositions pour des réponses qu'on connaît, ouais, tu vois. C'est un peu compliqué. Parce que... Allez, les autres posent des questions. Bon, alors, est-ce que vous avez un rapport avec l'Afrique, par exemple? Vous seriez né en Afrique? Oui. Un rapport, mais elle n'est pas née en Afrique. Ah, est-ce que votre compagnon est africain? Non. Non plus. Est-ce qu'un de vos parents est africain? Non. Et quand avez-vous eu un rapport avec votre compagnon? J'essaye de faire une synthèse de tout. Est-ce que votre peau est noire? Non. Non. Un autre indice. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie. Et c'est sur cette musique que je vais vous laisser réfléchir, Jean-Marie Bigard, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc et Isabelle Alonso, puisque vous êtes les quatre qui continuez à chercher qui est dans notre loge d'honneur. A tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'était si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre mes mots. Les plumes volent encerclées par tes ondes. Mes habits collent, faut que je m'inonde. C'est un peu plus tordu comme indice, mais c'est malin en même temps, c'est malin. Isabelle Alonso propose Juliette. Êtes-vous la chanteuse Juliette? Non. Non plus. Est-ce que vous avez déjà serré la main à l'un d'entre nous? Oui. Oh oui, ah oui. À plusieurs. Jean-Marie Bigard, vous le connaissez? Oui. Oui. Et on s'est serré la main. C'est pas sûr, mais je pense. Vous êtes serré à autre chose? Peut-être qu'ils ont fait la bise même, carrément. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'on vous voit dans les magazines People? Vous êtes dans le genre? Pas du tout. Pas du tout. Vous préservez votre vie privée à fond la caisse? Absolument. Vous défendez la bonne chanson française? Oui. Et vous avez fait 1, 2, 3, 4, il y a peu de temps encore, non? 1, 2, 3, 4 pour la musique. J'ai pas compris la question de Jérôme Bonaldi. Est-ce que vous êtes enfoiré? Enfoiré, non. Pourquoi c'est 1, 2, 3, 4? Parce que le nouveau clip des Enfoirés pour les Restos du Cœur... Non, je suis pas enfoirée. Ah non, elle n'est pas enfoirée. Et... Vous avez fait 1, 2, 3, 4. C'est une question détournée pour montrer que... Oui, que seul vous comprenez. Ouais. Et non, les millions de téléspectateurs qui regardent... C'est pour pas que... La foule ici, vous avez compris la question. Non, je suis désolé. Les millions de téléspectateurs qui regardent TF1 et qui voient le clip... Bonaldi, je crois qu'il est encore sur Canal, il fait des questions encryptées. Ouais. Vous êtes parisienne? Non. Ah, on vous connaît pour être en province? Est-ce que vous écrivez vous-même vos chansons? Oui. Est-ce que vous les composez? Oui. Est-ce que vous avez récemment fait une expo de peinture un peu naïve? Une expo, oui. Elle a fait une expo, en tout cas. Oui. Mais ce n'est pas Charlotte Julien, non. Alors, une expo de peinture? De dessin? Non. Non. De sculpture? Non. Attendez, une expo de vêtements? Oui. Ah. Vous créez des vêtements? Vous exposez vos vêtements. Vous faites genre comme une vente de grenier, un truc comme ça. Vous vendez vos vêtements. Non. Oui, bah te fous pas de ma gueule. Parce qu'on va se voir tout à l'heure. Un autre indice. J'ai arrêté la mer pour fourguer mon bateau. Vécu trop de galères dans des pays trop chauds. Je me suis échoué dans un bar à matelots. De la soif au rempart de Saint-Malo. Tout arrêté, terminé. Fini l'aventure et le vent salé. Le voyageur est fatigué. Et jamais je n'arrêterai de t'aimer. Notre ami Renaud qu'on adore. Alors, j'ai trouvé l'indice pour une fois. Est-ce que vous travaillez chez Renaud? Est-ce que vous êtes du genre à boire du Brescola? Êtes-vous bretonne, demande... Non, non, non. Je traduis les questions de Jérôme Bonaldi. Hein, parce que j'ai fait Bonaldi deuxième langue, moi. Jérôme Bonaldi, il croit que c'est lui le mystère. Ouais, alors il essaye de masquer ses questions pour pas qu'on le reconnaisse. Bonaldi, hein. Est-ce que vous êtes aussi comédienne? Pour vous accompagner, c'est plutôt guitare ou guitare électrique? Les deux et piano. Les deux et piano. Que vous jouez vous-même? Oui. Debout? Pfff.
Mais si, mais ça peut aider. Ça peut aider. C'est un détail, mais... C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour moi. C'est pas drôle, quand on a trouvé, on peut plus jouer. Hein, bah oui, c'est frustrant. Bah faites votre courrier, comme d'habitude. Révis pour le kick à mieux le bosser de la semaine prochaine. Vous avez déjà sorti beaucoup d'albums ? Combien ? 8 albums. 8 albums. Et elle nous apporte un nouvel album d'ailleurs. Ah. Peut-être que cet indice va vous aider. Ça vous aide ? Non. C'est facile hein, quand même les indices là maintenant. Oui. Caroline, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas quand on connaît la réponse, tout est facile. Non, nous en même temps on a trouvé grâce aux indices, donc je vais pas vous dire qu'ils sont compliqués. Ouais. Et plus ça va, plus ils sont faciles en plus. Je suis troublée parce que Gérard et Caroline, c'est pas tellement le même univers, donc j'essaie de voir le point de jonction entre les deux. Moi je voudrais donc essayer de. Bah lui il a triché et moi j'ai trouvé. Voilà le point de jonction. Je voudrais essayer d'élucider ce lien avec l'Afrique. Vous avez dit qu'il n'était ni familial ni personnel. On a demandé si vos parents n'étaient pas africains. Votre compagnon, est-ce que vos enfants sont africains ? Non, mais elle a parlé d'humanitaire à un moment donné et d'engagement, cher Gérard ? Bien sûr. Je pense que c'est ce qui a mis Gérard sur la piste d'ailleurs. En tout cas, il vous reste un indice. Là, je vais être obligé de sortir la grosse artillerie pour que mes camarades, parce qu'ils ont toujours 4 à sécher. Oui, Jérôme ? Est-ce que vous avez donné vous-même au début de l'émission un indice sur la présence ? Non, de... puisque vous proposez Dido, vous. Oui, n'est pas Dido, notre invité. Ouais, qui parle très bien français, comme chacun sait. Sans accent. Et Philippe Gueluc, allez-y. Non, est-ce que ce serait Elsa ? Elsa, la chanteuse Elsa. Oui, c'est mmh. Elsa. Non, ce n'est pas la chanteuse Elsa. Qui a fait 8 albums, donc. Chez elle. Ou chez Gérard Miller. Je connais son engagement pour l'Afrique. Et ses nombreux enfants. Donc, non, mais c'était pas méchant. Mais voici pas un indice de plus. Est-ce que... Là, évidemment, Philippe Gueluc a reconnu, forcément. La Brabançonne, c'est la Brabançonne. Et j'ai en même temps découvert qui c'était. Est-ce que vous ne seriez pas, genre, ma chanteuse préférée ? Alors, on est plusieurs sur le coup, parce que, bon, si ça fait partie, elle fait partie de mes chanteuses préférées. Et on peut maintenant donner son nom, jeter son nom à la figure de Jean-Marie Bigard, Jérôme Bonaldi et Isabelle Alonso. Philippe, Caroline, Gérard, allez-y, c'est... Axel Red, notre invité d'honneur. Axel Red est notre invité d'honneur et elle s'installe entre Jean-Marie Bigard et Gérard Miller. Axel Red qui nous apporte un tout nouvel album avec de jolies nouvelles chansons. Elle sera d'ailleurs en concert au Trianon à Paris cette année. C'est pas tout de suite, hein, le 8 octobre prochain, on aura le temps d'en reparler. Mais son album s'appelle Rouge Ardent, tout comme d'ailleurs la chanson qu'on entendra dans quelques instants. Bienvenue, Axel. Mais je suis contente d'être là. Vous connaissez apparemment très peu sur moi. À part Caroline qui a deviné tout de suite. Gérard. Alors Gérard, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste ? Alors d'une part, j'ai compris très tôt que c'était une chanteuse. Premier indice. Deuxièmement, oui, comme c'est quand elle a répondu oui, vous chantez. Oui, oui. C'est vrai que là tu as été très très brillant. Deuxièmement, fallait le trouver le truc. Deuxièmement, comme j'ai préparé exceptionnellement l'émission le matin, j'ai regardé tous ceux qui étaient dans l'actualité et j'ai vu que vous sortiez Rouge Ardent, l'album. Et troisièmement, l'humanitaire. Je me rappelle. Mais ce que t'es un escroc, Manhattan Kaboul, c'est la chanson avec Renaud. Et on a entendu Renaud parler. Je connais l'engagement, on se connaît un petit peu avec Axel, donc je connais l'engagement. Je suis impardonnable, parce que je sais qu'elle est ambassadrice de l'UNICEF. Bien sûr. C'est bien exact. Ouais. Qu'elle a des enfants. Ah oui. Voilà. Bah bon. Axel Red, dont on expliquera tout à l'heure, évidemment, toutes les musiques que j'ai pu passer pour qu'on tente de l'identifier, puis aussi pour vous perdre un peu de temps en temps. Mais d'abord, découvrons, pour ceux qui ne l'auraient pas encore ou pas déjà entendu, la nouvelle chanson d'Axel Red, qui est aussi le titre de son album Rouge Ardent. Axel Red est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie d'un tout nouvel album et à l'occasion aussi d'un anniversaire, 20 ans après son premier album sort celui-ci.
20 ans, oui. 20 ans de chansons, ouais. Déjà. 20 ans de chansons. C'est le 8e album. Et oui, 8e album. Et vous en avez écrit des chansons entre celui-ci et le précédent, parce que j'ai vu que la sélection a été drastique, hein, tout de même. J'en ai fait 40. 40 chansons. Ouais. Et enregistré 16. Et j'en ai sélectionné 10. Et comme j'écris lentement les paroles, j'ai fait les paroles pour 10 chansons. On est content et heureux de vous réentendre, en tout cas, parce qu'on retrouve votre voix telle qu'on l'aime, et elle est si particulière, cette voix, qu'elle nous manquait, ça je dois dire. Et ces chansons-là, alors, elles sont toutes des chansons d'amour, des chansons d'engagement, des chansons... Non, en fait, je dirais les trois, même les quatre derniers albums, c'était des albums assez engagés, avec carrément l'album sur les violences sexuelles, le double album en anglais, Sisters and Empathy. Mais en fait... C'était une sorte de thérapie. En même temps, on veut dénoncer les choses. Mais ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on ferme une boucle et on trouve des réponses. Et une des réponses était que je n'étais pas obligée de toujours mettre ma créativité au service de cet engagement. Cet engagement qui reste, ça ne change rien. Mais je me suis redonné le droit d'écrire sur l'amour. Et puis donc, j'avais envie non seulement d'écrire sur l'amour, mais sur des grands amours. Comme des sagas de Tristan et Iseult, Roméo et Juliette. Et ça veut dire des amours fatales qui sont éternels, mais qui en même temps sont impossibles. Et donc, je me dis, si j'ai écrit sur ma vie, soit il faut que je quitte mon homme, je n'avais pas trop envie. Alors, je me suis basée sur le film Into the Wild de Sean Penn, où il y a ce personnage qui n'est pas d'accord avec la société et qui s'en va, un acte que je trouvais assez égoïste. Et donc je me suis imaginé un personnage qui n'est pas dans le film, c'est un amour d'enfance. Et donc tout le film, c'est le avant et après le départ. Mais c'est romantique parce qu'il part, mais pas pour elle, donc il continue à l'aimer, et voilà. On est près d'un album concept, alors, en quelque sorte. Oui, mais il y a beaucoup de moi là-dedans aussi, même si je ne l'ai pas vécu. Bah, en tout cas, il paraît que vous avez réécouté toutes vos chansons avant de travailler sur cet album-là. Pour la première fois. En fait, mon mari avec qui je collabore et avec qui je suis depuis 25 ans cette année-ci, il m'a dit, je crois qu'il est temps que tu réécoutes tes albums. Parce que c'est vrai, il me dit, j'ai l'impression que tu vas peut-être trop loin. Tellement, je n'ai pas envie de me répéter que voilà, on avance. Et puis il dit, c'est comme si tu reniais. Et pourtant, je m'investis énormément dans mes albums. Je les ai tous réalisés, co-réalisés, écrits, composé. Mais souvent, on a les souvenirs de la fin, le mix, on a perdu quelque chose en cours de route ou le mastering. Et là, donc, j'ai réécouté. Et du coup, c'est pas que j'ai refait ce que j'ai fait dans le passé, mais je me suis quand même osé m'inspirer de mon et propre... Et revenir vers les bases et comme on vous a connu au départ. Alors, la chanteuse qu'on a entendue en premier comme indice... Aretha Franklin, parce que c'est votre idole toujours. Bien sûr, mais c'est elle particulièrement. Elle a cette voix qui vient des tripes. J'écoutais ça quand j'étais enfant parce que maman, elle avait ça. Il y avait du Elvis Presley aussi. D'ailleurs, mon album précédent, c'était mon disque Crooner. Mais il y a Memphis, il y a ce son aussi. En fait, depuis mon deuxième album, j'enregistre avec des musiciens de là-bas, qui soient venus chez moi ou il y en a trois que j'ai enregistrés sur place. Et pour celui-ci, on est retourné là-bas. On a fait aussi des parties chez moi parce que j'ai dans ma grange, un peu comme Neil Young, un studio. J'ai fait des parties à New York aussi. J'ai co-réalisé l'album avec Marc Platy. C'est le second album qu'on réalise ensemble, qui a travaillé avec Bachung, mais aussi avec Bowie et tout ça. Mais à Memphis, c'est comme une famille musicale. En fait, je connais tout vous le monde. Vous avez dit qu'elle était bavarde. Hein. Ouais. Ah oui, mais tu me poses... C'est la Jane Birkin flamande. Mais tu me poses des questions, alors le on répond. Le deuxième indice. It's time for Africa. Alors, pourquoi Shakira Waka Waka? Parce que ça a été un hymne pour un match de football. Pour la Coupe du Monde. Et que Axel. Elle a fait le sien aussi. Ah voilà. Pas la même année, évidemment. Non, pas la même année. Et moi, c'est ça qui m'a permis de trouver. Shakira, c'était en 2010. Axel Red, elle nous a fait gagner la Coupe du Monde en 98. Ouais, c'était grâce à Youssou et moi. Alors, Youssou et Ndour, justement, il faisait aussi partie des indices. Pour le duo, justement, en ouverture du Mondial en 98. C'est vrai que c'était l'année où la France a gagné, en plus. Et oui. Et un autre duo avec Renaud, évidemment, c'était Manhattan Kaboul. C'était facile, l'indice de Renaud, non? Oui, mais vous auriez passé cette chanson-là, j'aurais trouvé plus vite. Voilà. Oui, le problème des indices, c'est qu'ils sont indirects. Moi, les indices directs, je les perçois mieux. Si je mets Manhattan Kaboul, tout le monde va me dire Axel Red tout de suite, vous voyez. Ouais. Tandis que si on gagnerait du temps. Bah, elle est tellement bavarde, ça donnerait du temps à l'interroger. Mais alors, l'indice le plus compliqué, effectivement, c'était Mathieu Chédid. Pourquoi? C'était si fort. Alors, pour lui dire qu'on l'aime. Non. Vous avez trouvé, vous, Axel Red? Non. Parce que la chanson s'appelle Onde sensuelle. Ah, à cause de sensualité. On l'entend toujours fort, si fort. À cause de sensualité. Oh non, c'est tordu.
Parce que c'est ah bien. Ben si, quand même, honte sensuelle et sensualité, ah oui, mais je peux pas faire mieux. Non, si, vous pouvez faire mieux, mais il fallait savoir que ça s'appelait honte sensuelle. Si on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans ce monde, on sait que honte sensuelle, c'est un des plus grands tubes de Mathieu Chédid. Ouais, et on reconnaît cette chanson, non, mais Isabelle Alonso. Le problème avec certains indices, Laurent, c'est que, bon, on sait qu'on a du mal à les comprendre en temps réel, mais quand on comprend pas bien l'explication, c'est qu'il y a un vrai problème. Ouais. Ah non, mais là, l'explication, elle est toute simple. Ouais. Et voilà. Jean-Marie Bigard, alors, vous le connaissez au point de l'embrasser bien, ou de lui serrer la main? On s'est rencontrés, je crois, non? Oui, mais sur plusieurs plateaux, ouais, bien sûr. Exactement. Et on s'est fait la bise, ça me revient maintenant. Qu'est-ce-vous? Quant à Jérôme Bonaldi, il comprend pas mes indices, mais non, comme on ne comprend pas ses questions, on est quitte. Le nouvel album d'Axel Red s'appelle Rouge Ardent. C'est le grand retour d'Axel Red pour notre plus grand plaisir. Merci, Axel. À demain, 15h30.